It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Ça va le level, lui, il est con, quoi. Et bam, plein dans le sanglier sur ma mère. Check à droite là, dans l'espèce d'urel. Là, oui, bah, à droite. Oui. C'est exactement là où je vais, frère. Droite et au fond. C'est bon. Bon, ça va retourner dans le sud ici, c'est au BSSO hein, qu'ils aillent chercher eux-mêmes. Ah là 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 là, quelle journée! Je sens que cette journée va être riche en émotions, je vous le dis, moi. Ça bouge bien là. Ouais, ça a l'air de commencer déjà fort là. Peut-être les éoliennes, allez, tonton. C'était comment du coup la convocation 11? Bah en fait, c'est juste une incompréhension totale. Mais du coup, on m'a dit que on arrête les convocations apparemment. Que en mode. Ouais, Jis. Merci hein, du coup pour le truc. Allô parce que je devais préparer un cours. Du coup, tu m'enverras le truc et je ferai le rapport d'interrogatoire. Non, allô mais c'est bon, je vais le faire. C'était moi qui devais le faire à la base. Je t'ai demandé de le faire. Non, envoie-moi juste la vidéo. Là, 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 en face. Attends. Attends, je te rappelle, poteau, je te rappelle. On l'a, Shafter Blanche. On a retrouvé Shafter Blanche au niveau des éoliennes de Los Santos. Attends. Oui, vas-y. Là. Là, c'est une Shafter Blanche. Sur ma mère, comment j'ai. Je me suis dit, tiens, on va aller voir les éoliennes avant de retourner dans le sud. Ça, on est là dans 5 km. Recule. Contactez BCSO pour les prévenir. Ça va le jeune. C'est bon, messieurs, on va discuter. On va négocier, monsieur. C'est mieux pour vous, je vous le conseille. Baissez votre arme, on baissera nos armes, monsieur. Doucement. Je descends. Voilà, bien. Monsieur, tout va bien. On va entamer un petit dialogue. Oui, pas de soucis. Du coup, sur la dernière backup, il y a la chef d'en blanche. Je vais appeler le BCSO. Mettez le véhicule en protection parce que là je me sens mal. 34 pour LSPD. 34 pour BCSO, pardon la fatigue. On a retrouvé la Shafter Blanche avec notre agente au niveau des éoliennes de Los Santos. Copie, on est en route, la Nora, ça va être. 10-4, merci à vous. Adam Max, on est actuellement sur un 10-52. Ouais, 22, je te dérange pas, ça va Un peu, mais dis-moi vite. Oui, tu sais, tu m'as mis 4 convocs, je sais pas si t'es au courant. Ouais. Pour ce soir, bah ça fait beaucoup. C'est bien pris, bah, non, je t'ai pas mis 4 convocs. Bonsoir, Colby, c'est mon Adam, donc au final, tu m'en as mis 4. Oui, mais c'est à Colby de gérer. Ouais, mais Colby, il est pas là. Eh ben, y a un autre agent qui était dispo sur l'endroit. Non, je crois pas. Eh ben, tu en fais que 2, et si Colby il est pas là, c'est son problème. Allez, vas-y, discrète. Voilà, allez, à plus, bisous. Vas-y, à plus. Personne du Vision News, c'est ça? Exactement. On entame des négociations avec. Vous voulez personne du Vision News? La backup et on envoie ouais, une pour quelle raison? Vous tombez bien. Du coup, on a besoin d'une personne du Vision News. Ça marche, vous allez à la backup. Ok. Je vais l'appeler. Ah bah, il est même pas là, attendez. Et ensuite? Ça marche, on entame les négociations, on laissera la vidéo qu'on a besoin de faire, on vous redonnera la personne du Vision News. 06, du coup, pour la banque, c'est endroit, s'il vous plaît. On est d'accord que notre agente va. Ça va de demander leur une backup in. Sera libre. C'est ce que j'ai déjà demandé, mais apparemment il y en a deux en cours et le LSMD a appelé la centrale en fait. C'est après. Alors attendez deux secondes, j'essaie de les contacter. Pas de problème, je viens vers vous dans 2 minutes. Ok, c'est capté, merci à vous. T'es trop Orlando, dites-moi. Tu peux envoyer un mail à Kwadou, y a des mecs qui demandent des journalistes et ils répondent pas là. Vas-y, je m'en occupe. Vas-y, tu me tiens au courant. Vous allez bien? Mais respect. Ouais. Ça va. J'ai une intuition de zinzin sur ma mère. On dirait presque que je viens de Caillou. C'est le mec qui il fait la même chose que les autres. Non mais sur ma mère, on les a trouvés. On est chaud. Bah ils veulent des journalistes apparemment. Ouais. Le problème c'est que les journalistes ne répondent pas dans le groupe MRD, donc on va envoyer des mails, on va voir. Essayez de les appeler ou quoi. Ou contacter directement leur centrale, peu importe. Le ticket d'op est ouvert ou pas? Je vais m'en occuper. Ouvrez le ticket d'op et ajoutez le BC soit dedans, Orlando.
Vous allez bien, Erin? Ça va très bien, et vous? Impeccablement. Oui, 71. Ouais, appelle le 5006 et si elle vient pas, Quadou arrive. Il est original, du coup, ça va. C'est bon, vas-y, je l'appelle. À tout. C'est qui? C'est 23. C'est bon, il y a une unité BSSO qui va arriver, du coup, il y a le sergent Chan qui arrive. Oui, bonsoir, vous travaillez avec Weasel News? Oui, bonsoir, ouais, c'est ça. Oui, c'est Orlando, Dual SPD, le chef de la Média Relations Division. Ah oui, bah oui, dites-moi. Nous avons besoin d'un journaliste, là, des preneurs d'otages, vous demande. C'est vrai, vous êtes où? Je suis au niveau des éoliennes, du parc éolien de Los Santos. Je vais vous envoyer l'adresse exacte, d'accord? Ok, envoyez-moi ça. Nous vous attendons et faites attention en arrivant de ne pas vous faire prendre en otage, d'accord? Venez du côté du SPD. A tout de suite. Ok, à tout de suite. Défense pour 39, essayez de prendre le contrebas du coup de la zone. Ah, mais ok, j'ai capté. Elle arrive quand l'unité BCSO là? Je sais pas, c'est Savage, il m'a dit qu'ils arrivaient. Ok, vas-y. Mais dites-nous, monsieur. Ça va plutôt bien, et vous? C'est qui eux là? Quand je suis dans le sud, c'est le BCSO qui vient, et quand je suis dans le nord, c'est la LSPD. Il va être raputé. On a dame, beau gosse. C'est Savage. Je vous ai mis en poursuite avec. Je sais, elle va pas monter, je vous le dis. Oui, elle monte pas. Voilà, bah parfait. Soit prêt, nous. Vous prenez le lead. J'ai encore oublié ton prénom. Vas-y. Face. Il la libère. Allez, avance un peu. Ils sont en train de partir. Viens avec moi. Ils partent de l'autre côté, désolé, Call. Allez, c'est parti. Mais merci quand même. Ils prennent le lead derrière toi. C'est pas grave, on est deux véhicules là, sur la poursuite. Allez-y, prenez le lead. Je vous laisse prendre le lead. Communiste de Méda, on va te laver. Arrête-toi. Il est fou, ce mec. Sans eux, y a rien. C'est eux, grâce à eux, le grand capital. On passe par en bas. On a récupéré 60, on l'amène à l'hôpital du sud. Bien reçu. Merci à vous, Glenn et Jarod. Bon courage à vous. Merci également. Non, il me l'a mise, on peut se le dire là, T'as levé, même. J'essaie de l'empêcher, attends. Non, je te le dis, hein. T'allais voir les maoïstes là, Stalinien et tout ce que vous voulez. Mais ils sont fous, les BCS, hein. Quoi, y'a une biche? Ah, ça, c'est bien le Nord, ça. Arrêtez-moi! C'est un baiser sur ma main. For the free America! Fuck yeah! Eh ben putain! Mettez les pressions pour pas qu'il fasse demi-tour sur l'autoroute. Hein. Mais attention à toi! Ah, tu voulais nous la faire, hein, mais on est meilleur que toi! Parce qu'on est américain! On va le laver sur le lame! Je vous dis, hein, si ça finit mal pour eux, ils vont pas se laisser rendre. Hein. Ouais, ouais, j'imagine. 411 pour Savage. Allez, écoute. S'ils font un accident ou quoi que ce soit, ça risque de mal finir pour eux. Hein. Ils vont pas se laisser rendre. Oh, ils ont dit le mot. S'ils sortent de la voiture, ils iront pas en cellule. Vous savez ce que vous avez à faire. Non, ça va pour l'instant. Oh, il m'a lancé un capot. Il m'a lancé un pare-choc. C'est une banane. Ah ouais, c'est que dans Mario Bros, on va le level. Tu me lances de carapace. On reprend le lead de temps de... Arrête-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu roules jusqu'en Europe ou quoi, gros con? Je roule dans le pays de l'Est, toi. Ah ouais... T'es en berline allemande, là. Le déplacement Max Verstappen. Attention, là où est Hamilton? Ils vont prendre des feintes ici, hein. Je suis au plan mule dans le coin, je vous laisse les suivre et nous on va pas rentrer dans les ruelles. 10-4. En fait le conducteur est juste éclaté. Moi je crois il dort. Ah ouais. Bon, hein. Ah ouais. Mais ça paraît logique, hein. Eh ouais, la bière allemande ça régale, qu'est-ce que tu me conduis comme un bourré sur ma mère? Il boit de la Guinness, oh. Arrête-toi, ta méchante Henneken. Alors qu'on peut boire de la bonne
bud. La bud, c'est bien quand même. De la duff, comme tout le monde, frère. Ou de la duff, ouais, très bien la duff, ça, voilà. C'est la meilleure en fait, c'est la piste, la duff. Attends, je vais faire comme Orlando. La duff, bonne mère. Oh Kong, tu vas t'arrêter. Arrête de toi, gros Kong, je t'ai amené la casse-tête sur ma mère, je te montrerai ce qui. Tu vas voir avec ta duff. Sur ma mère, gros Kong, va. C'est qui en anticipation, là? Je pense que c'est cool. Pour les boches. Ouais. Véhicule, on se met plus cher. Il utilisait un mot hasard, il sait même pas ce que ça veut dire quoi. Oh, grosse chaussette, arrête-toi. Bah, te lève. Ça va, 11? Vous entendez pas beaucoup? Un peu fatigué. Arrête-toi, tranche de con, qu'a tué! Ils sont là à nous dire, ouais, l'IPA c'est vachement bon, non, c'est aigre! Tu entends l'allemand? T'es aigre! C'est aigre. Ça, c'est gré doux, ça. Ça, c'est gré doux, je m'en meurs, ça me regarde. Wow! Mais il se bloque au milieu, lui, le con, quoi! D'avoir senti le cœur de la batte à l'arrière de ta langue. Il va pas bien, hein. Il va pas bien, ça va être ce soir. Il a bu de la deuf. Mais ouais, c'est malade. Il est alcoolique. Il a soubien. C'est bon. Sous Pepsi Ballon. Pepsi Ballon, sous Gragoz. Ah ouais. Merde, je vois pas leur... Oh là là, ça a été incroyable, ça. Non, on oh, voit pas leur... Oh, c'était incroyable, ça. Ah ouais, vous croyez quoi, hein? Awam! Awam! Ça me régale! C'est vrai, parfois je mange les mots. Je mange des vieux aussi, pour passer au FI 3, il faut bien le faire quand même. Je m'as bien sucé, hein. Bah, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu crois que tu es menté comment? Je sais pas, sucem. Tu as sucem. Tout le monde c'est a le sucem. Travail. Ah, le travail, le travail. Après, Saint-Anne, il a sucé, il est toujours au FI 2. Il met les dents, lui, c'est tout. Ouais, ouais, il a mis les dents, ce gros con. Moi, je sais bien, je suis habitué. Ah ouais, mais... Je vais dans l'ex-pam. Je vais leur apprendre à prendre en otage un agent du LSPD. Il a pas bien ce mec, hein. Il va tourner à droite, regarde. Voilà. Eh oui, quand tu as vu quand je me place comme ça, tu forces les trajectoires, ça me régale. Eh oui, tu rentres dans son cerveau. Ah ouais. On va le lever. Wow! Tentative de meurtre, là! Tentative de meurtre sur un motard! Ça va, conduis bien, tu prends les palmiers de Saint-Ouen. Arrête! C'est quoi ce plein mule? C'est malade! Dans le Nord, ils se prennent pas des plans mules, ils se prennent des plans charrues. Des plans tracteurs sur ma mère. Des plans cheval. Des plans taureaux, ça met des... Ça fait la feria. C'est des malades. Des plans buissons. Oh non, j'ai un caleçon, c'est le Far West. Oh putain, c'est la merde! Non, il veut pas nous faire un plan feria, c'est des Allemands. Des mecs de l'Est. Ils ont NAKAU dans leur voiture, on n'est pas au courant. Sur ma mère, la voiture est explosive. Arrête-toi, Angela Merkel, gros con! Je l'ai. Vous l'avez? Je l'ai. C'est bon. Elle est bonne. Qui? Ta mère la pute. Petite blague. Gros connard, bah. C'est un langage de sergent, ça? Je vais faire une remontée, vous allez voir. Ça va. Ça va, arrête-toi, qu'est-ce que tu me veux? Tu es dans ton gros bolide allemand, tu roules pas vite, hein, je te le dis, moi. C'est une Shafter classique, je crois. Eh oui, c'est pas une V12. Je me disais, il était bien long. Reprenez le lead, Flint. Flint and Steel. Tu l'as, vous l'avez. Je l'ai. Il est pas. Merci, Orlando. Tiens, méchant briquet, allume-le. Allume-le. Emmène-le dans le Nether. Ouais, sur ma mère. Speedrun. On est tellement chaud à l'aise, je réponds sergent. Ni hao. Ni hao. Oui, lieutenant. Comment allez-vous? Incroyable. Ça va, je peux vous rappeler, je suis en poursuite. Oui, ça marche. Est-ce que vous pouvez, quand vous avez du temps, bouger les tanks qui sont à la frontière? Les tanks? Ah oui, les APC, oui. Je vais les bouger, oui, APC mais... toi même. Les bouger, je les ramène au force d'un coup d'eau ou carrément je les jette?
Aux un coup d'eau, c'est très bien, on sait jamais si on aura besoin. Allez, parfait. Faut que je vous vois après d'ailleurs. Je termine ma poursuite. Tiens, et ben on se verra. J'enverrai le mode cinématique. C'est bon, allez, à plus tard. Ah là 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 là. Elle me régale quand même la Paul Char, hein, je vais pas vous mentir. Ah ouais. T'en es tout niveau essence derrière. On est 90% du plein. Oh bah. Parce qu'on risque de devoir faire un plein. Hein. Jusqu'à pas de soucis, on est à l'est. De toute façon, y'a Cole, ouais, juste à côté. Ah ouais, Cole. Moi j'aime bien appeler. Je sais pas, les matricules, c'est lourd, courant, mais. Je trouve pour la supervision, c'est bien de s'appeler autrement que par le matricule. Soit par le grade, soit par le nom. Vous trouvez pas? Je trouve que c'est plus cordial. On laisse y aller, il y a une station essence, on y va, on va au pit stop. 10-4. 10-4 en train de relais. Vous me dites si vous avez besoin de call, call. Il est derrière. Vous êtes derrière. Non mais je trouve, il y a des gens, par exemple call, on est habitué à l'appeler call, vous voyez, ou sergent chef. Oh Derek. En même temps, ça c'est le pire matricule all time. Hein. Vraiment. Mais vous voyez, genre 11 par exemple, on est habitué à vous appeler 11. Ouais. Moi je suis habitué à vous appeler SLO 91. Et vu que vous avez plus un SLO, bah, je vais quand même vous appeler SLO pour vous rappeler d'où vous venez. Voyons. Ouais. Moi je vais t'appeler officier. Pour rappeler d'où tu viens. Ça me va. Je suis toujours un officier donc ça me va. Ça va. Ça va. Je vais t'appeler Orlando la pute comme dans mes contacts. Elle a fait ta bête, je gros bon, con, et moi je vais t'appeler Alcène le Yen comme dans mes contacts. Ah, je crois qu'il manque d'essence là. Je crois qu'il leur manque de l'essence là. Direction. Station essence, Marina. Station Marina. Ouais, ils ont plus d'essence, je crois. Allez, copie. Ça va partir à l'eau. Allez, prenez le relais. On est bon. Ah. Je l'ai vu se manger un palmier, j'ai eu peur. Épouserait, on fait pas genre ce que t'as dit. Au Derek. Au Derek. Ça me régale. Eh ben. Allez-y, reprenez le lead. Ouais, 10-4. M'a fait peur la Panto bien custom. Ouais, bien custom, bien aileron. Bien... La Panto bien clichy. Bien Kevin dedans là. Ça va. Il est sous choupa choup ce gros con. Il se prend pour qui là? Ça m'échante Panto sans permis. Oh putain, j'ai regardé derrière moi. Excusez-moi, je regardais derrière. Pas de soucis. Ils ont plus d'essence là, je crois que c'est là. Le Weasel News se fait menacer apparemment. Je viens de voir ça dans le groupe MRD. What the fuck, man? Oh! Shot fire devant le Weasel News. Je crois qu'ils. Apparemment, le Weasel News se fait menacer. Hein. Je vois ça dans le groupe MRD. Je crois qu'ils essayent surtout de s'attaquer Weasel. Ils nous ont drive-by. Oh, attention. Oh, okay. Ils rentrent dans le chantier. Ayant fait un feu. Oh là, ça pue. Oh, ça pue, les gars. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Arrêtez-vous. On s'arrête. Attention, faites attention. Arrêtez-vous, les mains en l'air. Mains en l'air, les speed jump. Y'a pas de moyen. Ils sont à la première étape. Un neutralisé, un neutralisé. Au fond à gauche, au fond à gauche. Il est en dessous, en dessous. Hop, neutralisé. Oh le shoot de merde. On a Savage au sol il me semble. Deux individus ont été neutralisés. Oh le shoot de merde, je suis trop nul. Ah, ils ont été neutralisés, ils ont été neutralisés par contre Savage. Amenez les blessés au même endroit. Ah oh, putain les cons, ils m'ont touché dans le gilet les cons. Ça mon frère. Ça va, ils m'ont touché dans le gilet. Allez, on va avec tout. Mais après les gars, on veut pas être fort à tout. Hein. Seul, viens avec moi Orlando. Ça va, ça va. Avec moi, moi. Il y a Savage, il est au sol, il y a Savage. Il y a quelqu'un en haut. Attends, la voiture elle est là, ma voiture elle est à gauche. Ah putain les cons, ils m'ont touché dans le gilet. Ok, ok. Ah putain. Tu te crois où là avec ton méchant château? City Hall, hein, Flo Santos, tout ça pour un hall. Hein. Gros con, bah. C'est pas la maison blanche, c'est la maison close. T'es mort sur le vieux port. Et ouais, ah la maison close. Office gouverneur, il est même pas là le gouverneur. Oh Miller! Oh Derek! Y'a Miller là, normalement il nous attend. Lui aussi là!
Oui, 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 Miller, là, le... Je vais faire une vanne, mais elle est vraiment limite. Je l'ai. Je pense pas. Oui, allô. Oui, Miller, on vous attend au bureau du gouverneur, du maire, là, de merde. Je suis juste devant la grille, j'arrive. C'est bon, à tout de suite, bisous. Mais toi, en fait, toi... Viens, je le boss du YouTube Game, et non, je suis Florian Nguyen. Attends, pousse. Je l'ai, pardon. Le petit flop. Excusez-moi, je prends un goût. Ça va. Non mais, capté, en fait, tu prends toutes mes tenues. T'avais un costard bien rose, bien machin, les gants. C'était des gants de ski, j'avais la même sur la tenue, doucement. Oui, mais compris, c'est parce que... Tu te sers dans mon dressing. Ça va. Connard. J'ai compris, t'avais pas style, doucement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents profs de sport. Pardon, je me suis pris pour le juge. J'ai flop. Vous avez le carré. Ah, mais vous l'avez carrément. J'ai tout. Le karaté. Il a cassé des pastèques, doucement. C'est une bézache sur ma mère. Chaque fois, je le vanne là-dessus. Parlez de. Je te jure, il va péter les plombs. Parlez de quoi? Des pastèques. Il va péter son crâne. Il va devenir fou. Putain, il en a fait du chemin, ce connard. Ah oui. Ça pour finir. C'est Linden, il m'avait envoyé la vidéo. Qui? Linden. C'est qui Linden? Ah, Linden. On va aller attendre. Je connais pas ce random, c'est qui? Bref, c'est un random. Ça va. Laisse-moi ce garçon. Ça va, votre passage secret, même pas secret là. Ça va. Tu passes devant, il y a un grand trou, hein. Il y a des chauves-souris, ils peuvent passer. La vie de ma mère, t'es ça mort. Ça va. Ah, ils ont fermé la porte. Wesh. Ça va, il fait des dates ici, hein. Ouais, tiens, je t'ai enfermé, gros cul, va. Vas-y, sors. Je vais faire comme l'agent immobilier, je vais faire le clown. Sors. Je peux pas sortir, je vais péter mon crâne. À l'aide. Allô. Oh, comment ça commence? Ouvre-moi la porte. mais attends, tu peux pas sortir là. Reviens, je peux pas, je suis bloqué. Tu vas bloquer. Ton gros cul. Attends, mais c'était quoi cette rêve de fou là? Oui, mais... rentrez, Miller. Vous avez ramené la pastèque pour le pique-nique? Allez, bonne celle-là. Ah, je l'ai. Rolando. Tu le bosses du DOJ? Moi, je m'appelle Miller. Ça me régale. C'est putain. Bon, vous avez fini. Une vraie époque, hein, mangeant les céréales avec les crottes dans les yeux comme ça. Boum. Allez. Allez. On commence le repas. Avec une pastèque. Du coup, il fallait que je vous parle. Parce que je sais que le capitaine en a marre un peu de cette histoire. J'en ai parlé hier avec le shérif et le capitaine. Je me mets en mode sérieux, je me mets une chemise. J'en ai parlé avec le shérif et le capitaine. Ils m'ont dit qu'ils en ont un peu marre de cette histoire et qu'il faudrait que j'en discute avec monsieur le maire, voir vos avis et monsieur Miller également. En fait, avec Caillou Perico, il y a récemment, je pense que vous étiez là. Je sais pas si vous étiez là, monsieur. Si, Miller était là. On a eu une discussion il n'y a pas longtemps, vous souvenez, dans le tribunal qui a duré plus d'une heure. Oui. Pour un cessez-le-feu sur Caillou Perico. On est bien d'accord, on est allé sur le pont, une discussion qui a duré 6h27. À discuter avec ces connards qui nous ont dit oui, on veut un cessez-le-feu et on acceptait comme des cons. Parce que nous sommes là pour protéger les citoyens, nous sommes une institution et c'est également politique. Mais le problème étant que j'ai appris de nouvelles choses. Et des choses qui ont été faites avant l'accord, après l'accord, bref, ils ont totalement craché sur notre accord et littéralement, quand j'ai dit ça aux supérieurs, il y en a plus d'un qui a qu'une envie, c'est de faire la guerre, même si on est là pour protéger les citoyens, vous l'imaginez. Là, ça dépasse l'entendement. Je vous explique. Déjà, première chose, j'ai appris que suite à cet accord... Yuri est mort, vous vous souvenez, le soir de l'accord, Yuri est mort, un EMS. Donc je ne sais pas si on a reçu la dépouille, il me semble pas qu'on ait reçu le cadavre. Mais si, il me semble que si. Ouais, on m'a dit que oui, mais c'est un peut-être, donc on ne sait pas vraiment où il est, mais bon. Admettons. Mais j'ai eu la déposition d'une EMS qui était sur place, en fait, qui était avec Yuri, prise en otage avec Yuri, et 69 qui était également avec eux. Et en fait, 69 n'a jamais donné sa déposition, je ne sais pas si c'est par honte ou par peur. Il n'a jamais donné sa déposition à l'SPD. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Donc Yuri est mort de la main du président de Kaio. Monsieur Rivera. Ok, ce qui n'est pas étonnant, d'accord. Ce qui n'est pas étonnant. Yuri, mais... c'est l'EMS de Los Santos, c'est ça. C'est ça, qui était, ouais. Qui donnait des informations à LSPD de lui-même pour essayer d'acquérir des papiers américains. Okay. Il a fini par assumer que c'était un infiltré, du coup il s'est fait tuer devant les autres, et par le président de Kaio. Donc déjà, lui qui se fait passer pour le gentil, le mignon, bon, AK-47 en main, avec ses amis, tuer un EMS, bref. Après ça, il reste donc Madame Mendes, l'EMS, ainsi que Bijou. Et là, attention, peut-être ça va vous choquer. Ils ont décidé de les prendre, de les mettre sur une estrade sur la place publique de Cayo Perico. Ils ont invité tous les citoyens à se rendre devant cette estrade, à faire la queue un par un, et à tabasser Monsieur Bijouel et à lui cracher dessus. Chacun leur tour. Tous les citoyens de Cayo Perico l'ont fait. C'est une blague. Ils lui ont tous craché dessus, ils l'ont tous tabassé. Coup de batte, coup de taser, ça dépendait. Il y en a qui s'amusaient. Balle dans la jambe, craché dessus. Il faudra avoir la position exacte de 69, mais en tout cas, c'est ce que l'EMS m'a dit. Elle était sur place, elle s'est également fait tabasser. Ils étaient nus, hein, totalement. Enfin, sauf elle, je crois, elle était encore à moitié habillée, mais en tout cas, Bijou était quasiment nu. Bref, chacun leur tour, ils lui ont craché dessus. Suite à ça, quelques heures après, ils se permettent de faire un accord sur un pont en nous rendant nos otages, en nous disant « Oui, mais vous savez, on ne veut pas le mal de l'Amérique, on veut un cessez-le-feu, machin, bidule. » Je vais vous dire honnêtement, s'ils ont fait ça, c'est parce que récemment, le LSPD a fait une grosse prise sur Cayo Perico, que nous les avons désarmés de plus de 40 fusils d'assaut et qu'ils sont juste en train de temporiser pour se réarmer et mieux nous niquer. Je vous le dis. Le cessez-le-feu, c'est stratégique. Maintenant, je peux vous donner les chiffres, hein, j'étais présent. Ouais, non mais il y a vraiment une somme aberrante d'armes, de munitions, de toutes choses. A savoir d'ailleurs certaines armes qui ont été reconnues avec le numéro de série comme étant des anciennes armes d'agents décédés sur Cayo Perico. Donc voilà, mais bref. Ouais, ça j'ai cru en entendre parler. Voilà, donc déjà à savoir ça. À savoir également, que vous êtes peut-être pas au courant, mais une opération a été faite par le LSPD, pas le MCD, le LSPD, pour aller désamorcer l'arme nucléaire de Cayo. Donc actuellement il ne possède aucune arme nucléaire, sachez-le, il n'y a aucun missile nucléaire sur Cayo Perico. Ils pensent toujours l'avoir, ils pensent qu'en appuyant sur le petit bouton rouge ça va exploser. Ils appuient sur le petit bouton rouge, la seule chose qui va exploser c'est leur bunker. J'y étais personnellement, je suis rentré dans le bunker, on a fait une opération limite, on était à deux doigts de crever. Nous avons désamorcé le missile. Donc déjà voilà. Suite à ça, donc il y a le cessez-le-feu, machin, bidule, et donc on se dit tout va rentrer dans l'ordre, nickel. D'ailleurs, à savoir que quand ils ont fait ça sur la place publique, les mots du président étaient « Nous faisons ça pour humilier l'Amérique et ses Américains ». Donc à savoir qu'il y a une profonde haine envers les Américains, ils nous appellent tous les jours les Américains, etc. Suite à ça, remaniement de Cayo, création des services secrets avec à la tête Monsieur Miguel Garcia, que nous avons attrapé, qui nous a donné sa déposition et qui nous a dit toute la vérité sur Cayo Perico. Et... vous êtes tombé de haut, certainement. Il y a eu la PO à la mairie, à laquelle vous étiez pris en otage, oui. Monsieur le maire. Oui. Celui qui a prémédité cet acte, c'est évidemment le président de Cayo. Mais la tête pensante et la personne qui était sur les lieux et qui a lead de l'opération s'appelait El Sombrero. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être... On a l'identité, il l'a avoué tout à l'heure au procès, Garcia. Qui est-ce, du coup? Montgomery. Voilà. Je pense que le maire n'est pas au courant. Oh mon dieu. Monsieur Montgomery était en effet l'auteur de cette prise d'otage. Il était là, Montgomery. Et en fait, c'est une information d'un ancien Cayo Perican qui donne toutes les informations aux États-Unis. Pourquoi? Pour sauver sa femme qui est sur Cayo. Sa femme est actuellement sur Cayo, il a dit qu'il préférait prendre prison à perpétuité, mais en donnant des infos pour que sa femme soit sauvée, plutôt que de prendre une peine de mort et de jamais sauver sa femme. Donc... Mais on a des preuves de ce qu'il dit... Je vais vous expliquer pourquoi on a des preuves. Suite à ça, moi, parce que moi, l'interrogatoire, c'est moi qui l'ai fait, et au début, je me suis dit, ben non, enfin, c'est facile, je peux dire que El Sombrero, c'est Miller, je peux dire que c'est 91, je peux dire que c'est n'importe qui, c'est facile. Mais il y a un truc qui corrobore totalement avec ses dires, c'est que un jour après la PO à la mairie, il appelle 22 Montgomery. Il dit oui, j'ai envie de faire un stage au LSPD,
reprenez-moi s'il vous plaît. Je vous rappelle, il a été viré et tout. Il a été littéralement blacklist du LSPG. Je veux revenir et tout, faire un stage. Donc moi déjà quand j'entends ça, je me dis ok, s'il veut faire un stage maintenant qu'il traîne avec les pichons, les machins, les bidules, c'est certainement faire un stage pour prendre des infos à l'SPD. Admettons. Lieutenant 22, sergent Cole et le capitaine et moi-même partons donc faire l'opération avec Montgomery. Il nous dit donc on arrive au Burger Shot, il nous dit non, je vais aller dans un endroit privé, il y a trop de monde, machin. On va dans un endroit privé. Montgomery nous dit mot pour mot, il y a un bateau de Russes qui navigue actuellement proche de Los Santos, qui va livrer Caio Perico en armes. Il dit, moi je connais exactement la position, on peut aller l'arrêter, ils sont pas nombreux dessus, on peut aller les arrêter, et ça permettra à Caio de ne pas être ravitaillé en armes, et ça évitera de tout type de business d'armes sur Los Santos également. Il dit, par contre, moi je vous donne l'information, mais en contrepartie, vous me faites faire un stage au LSPG, et je viens avec vous sur l'opération. Donc on décide d'accepter, enfin l'état-major décide d'accepter. On va sur ce bateau, Montgomery saute littéralement sur le bateau, direct. Genre dès qu'on arrive, il va sur le bateau, il se fait prendre en otage. Je vous mens pas, okay. Personne n'oserait monter sur un bateau de Russes surarmé. Il y va direct, en sachant très bien qu'il n'allait pas mourir. Et nous on monte, on les entoure, on leur tire, ils finissent par nous tirer dessus, on leur tire dessus. Et... Non en fait, non, c'est pas exactement comme ça. Avant qu'on leur tire dessus, on voit un bateau arriver au loin... Avec une mitrailleuse dessus, un bateau arrivant de Caio. Littéralement, il arrivait de Caio. Genre, on était juste à côté, il arrivait juste de Caio. Et la mitrailleuse commence à nous tirer dessus de loin. Elle nous tire dessus de loin. Donc là, la fusillade éclate sur le bateau. Bam, on les tue. Et le bateau ne voit même pas, hein. Il est très très loin. Il continue à tirer la mitrailleuse et il fait demi-tour et il se barre. Donc déjà, je me dis, c'est bizarre. Pourquoi les mecs ne sont pas venus nous finir alors qu'ils étaient deux fois plus nombreux que nous? C'est peut-être parce qu'ils veulent pas qu'on voit qui c'est. Donc admettons, ok. Ensuite, il nous dit que le bateau est rempli d'armes, Montgomery. Donc on lui dit, ok, le bateau s'est retourné à cause de la fusillade. Il a coulé au fond de l'eau. On va prendre un sous-marin. On demande à l'US Army de nous prêter un sous-marin. On y va. On va fouiller les bateaux, zéro arme. Pas un truc. Que des saumons, des carpes, des truites, tout ce que vous voulez, du thon. Il n'y avait absolument rien à l'intérieur. On fouille. Et moi, je vois Montgomery. En fait, on est tous en train de prendre des bouteilles d'oxygène. Capitaine, sergent Cole et moi-même. On est en train de fouiller l'océan. Et Montgomery décide de rester dans le sous-marin. Il dit, ouais, je reste dans le sous-marin, moi, je me sens pas et tout. Ok. Je me retrouve sans oxygène. Et je vois que le capitaine n'est pas remonté. Cole remonte dans le sous-marin. Montgomery part avec le sous-marin et me laisse au milieu de l'océan sans que je retrouve le capitaine. Donc moi, je décide de rester. Je dis, putain, il est où le capitaine? Je le cherche. Il me restait un petit peu d'oxygène. Je regarde, du coup, j'ai plus d'oxygène. Je me retrouve au milieu de l'océan, tout seul. Sergent Cole avec Montgomery. Je ne sais pas où il était. Capitaine, je ne sais pas où il était. J'étais au milieu de l'eau, j'ai crié pendant 20 minutes, je sais même pas combien de temps ça a duré en vrai. Et je me suis fait emporter par le courant et au bout de quelques heures, je tourne la tête et je vois des terres derrière moi, je commence à nager, je me dis putain nickel Los Santos. Et j'arrive sur Caio. J'arrive sur Caio et j'apprends quoi? J'apprends en radio que Montgomery et Cole seraient apparemment pris en otage également sur Caio. Et comme par hasard, aux négociations, El Sombrero. Et Sergent Cole nous assure que sur le moment, il n'y avait pas Montgomery. Donc en fait, il était seul sur Caio. Et les tenues aussi, vous m'avez parlé. Également, oui. Également, Montgomery, quand il est venu sur l'opération avec nous, il était habillé pareil que quand il était à la mairie sur la prise d'otage. Même cagoule, même béret, même haut, même bas. Pareil. Surtout le béret qui est notoire. Et du coup, El Sombrero aux négociations. Ah. Et voilà, hein, tout simplement, ça corrobore totalement avec le fait que Sergent Cole nous dit qu'il n'y avait pas Montgomery et que comme par hasard, Montgomery serait sur Caio parce qu'il a ramené Cole et comme par hasard, il y a El Sombrero aux négociations. C'est très bizarre. Je vais rajouter quelque chose. Monsieur Montgomery et Monsieur Garcia ont passé la nuit dans les cellules côte à côte au poste de police. Monsieur Garcia a énuméré les faits en accusant Montgomery. Le lendemain, Garcia a changé ses dires. A voulu faire un autre témoignage, a donc changé le nom de la personne de Montgomery et nous a expliqué pendant le procès qu'en fait M. Montgomery l'avait menacé pendant la nuit, que s'il le balançait, il allait s'occuper de sa femme à Caio Perico. Ça marche. On a toutes les preuves contre Montgomery, le mandat d'arrêt est prêt, sachez-le. Contre Montgomery, et après pour la suite de. Moi, maintenant, ce que j'ai pas compris, monsieur Miller, c'est pourquoi il a été acquitté, Montgomery. Parce que, en fait, au moment qu'il était en cellule, d'accord, on n'avait pas grand chose contre lui, mis à part le témoignage de Garcia. Ouais. Il n'a pas été acquitté.
Il a été relâché. Je l'ai prévenu qu'il est... il était le suspect numéro 1 de cette affaire. Le problème, c'est que... il est parti en Chine, donc il a pu quitter les frontières. Oui. Il avait pas de bracelet ? Non, je vous ai dit, comme il était... comme on n'avait aucune preuve contre lui. Ouais, donc, mais donné... en vrai, des preuves, maintenant, on en a. Et... oui, maintenant. Mais parce qu'en fait, au moment que... donc Garcia a de la balance. Ouais. J'ai demandé à ce qu'on l'emmène à Brunnenbrook, sauf que personne ne l'a emmené à Brunnenbrook à ce moment-là. Ouais. Donc, ça a attendu le lendemain. Parce que là, dites-vous une chose, c'est que la Chine, déjà, ils sont d'accord avec Caio Perico. Oui. Si Montgomery revient de Chine et ne passe même pas par Los Santos, hein, il va arriver à Caio Perico, ça peut vraiment être très, très, très dangereux. Mais vraiment très dangereux. Le fait qu'il retourne à Caio Perico, qu'ils disent tout ce qu'on sait, bah, ils sauront qu'on sait tout, donc ils se diront, bah, écoutez, on n'a plus rien à perdre. Oui, mais malheureusement, j'étais dans l'obligation de le libérer, vu qu'on n'avait rien contre lui. Et le témoignage qui était contre lui avait été changé. Ouais. Mais quand il a été relâché, on a appris par la suite que, bah, et du coup, il a fait un faux témoignage parce que Montgomery l'a menacé en cellule. En gros, c'est ça. Il faut savoir que Miguel Garcia nous a balancé tout ça, que El Sombrero, c'était Montgomery. Ensuite, à la fin de son interrogatoire, Miguel Garcia, je ne sais pas qui est l'agent qui a fait ça, il a fait dormir Miguel Garcia et Montgomery dans la même cellule. Et du coup, ils... Vous savez, moi, je me pose une question. Quelle est la sentence, du coup, pour Miguel Garcia, là? Perpétuité, il non Il a pris 350 ans, je crois, entre ça. Ouais, perpétuité. Ouais, perpète, quoi. Et du coup, il a Montgomery et Garcia ont dormi dans la même cellule. Et le lendemain, Miguel Garcia dit « Oui, j'aimerais refaire un interrogatoire, continuer. La nuit m'a porté conseil. » Et il dit « Oui, après avoir parlé avec Montgomery pendant des heures, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de dire une fausse version. En fait, El Sombrero n'est pas Montgomery, c'est faux, c'est faux, c'est faux. » Donc ensuite, on note tout son interrogatoire, il dit toute une autre version, il dit qu'il a été missionné par un certain Montmartre, Francis Montmartre, enfin bref, des blases inventées du chapeau. Et une fois que sa sentence est tombée, qu'il a amené à Bolingbroke et qu'il sait qu'il va prendre perpète, et qu'il n'est plus à côté de Montgomery, il dit « Non, en fait, c'était Montgomery, je vous dis la vérité, maintenant j'ai plus rien à perdre, machin, machin. » Voilà, en fait, il est revenu sur sa version plusieurs fois, quoi. Mais bref, moi, tout ça pour dire, monsieur le maire, tout ça, c'est des histoires de justice et de police, mais moi, je vous donne l'information, j'espère juste que vous n'allez pas laisser passer ça. Je comprends que ce soit politique. Hier, le shérif et le capitaine m'ont dit que, en soi... la guerre, c'était nocif pour nous, nocif pour eux, nocif pour beaucoup de gens. Enfin, il y avait peut-être d'autres solutions plus diplomatiques. Maintenant, humilier un agent de police comme ils l'ont fait, humilier des civils. L'EMS qui est venu me voir hier était en pleurs pendant sa déposition. Elle est choquée à vie. Avoir braqué la mairie, avoir fait exploser une station pétrolière de Los Santos, avoir tué des dizaines et des dizaines d'agents de police de Los Santos. Je pense que aujourd'hui, on ne peut plus laisser passer ça. Vous voulez attaquer Caio Perico? Écoutez, moi je formule une demande. Après, théoriquement, Orlando, c'est pas à vous de demander cette demande. C'est pas à moi, mais c'est le capitaine. Je vous aime bien, Orlando, mais c'est pas réellement à vous de le faire. Vous pouvez suggérer éventuellement. Non, mais c'est une suggestion, hein, moi je vous demande rien. Hein. Super bien, etc. Mais vous pouvez pas aller directement en frontal voir le maire et le juge de la Cour suprême et demander, entre guillemets, une attaque en réponse à Caio Perico. En fait, c'est monsieur le capitaine et le shérif. Hier, je les ai vus. Ils m'ont dit que clairement ils en avaient marre de faire des discussions dans des bureaux ou sur le pont et qu'ils voulaient que... Sinon j'appelle directement le capitaine adjoint et le lieutenant et on voit ça... Si vous le souhaitez, moi maintenant, je vous expose les faits. Moi, mon avis personnel, si vous le voulez, c'est celui-là, c'est que pour moi, il faut attaquer. Maintenant, je pense qu'il faudrait faire une réunion avec l'état-major du BCSO, l'état-major du LSPD et vous tous. Et voir qu'est-ce qui s'ensuit, quoi. Attends, Orlando. Ouais. Du coup, vous voulez l'état-major ou pas? Bah... Monsieur le maire. Droy. Ils sont dispo, là? Bah là, ils sont dispo, là. Vous voulez l'état-major ou pas? D'accord. Vas-y. Bah, viens avec capitaine adjoint, capitaine, Cole. Vous voulez pas qu'on aille dans la salle de... Ramenez Cole, surtout. Dans la salle de réunion du DOJ. Vas-y. Allez-y, moi j'arrive dans deux minutes. On va dans la salle pour l'équipe de supervision et état-major. Orlando, ils ont enlevé Rockwood. Ouais. On va aller dans la salle de réunion de DOJ. Ok.
On vous suit. Portez-moi Orlando. J'ai envoyé un msms. Faudrait peut-être l'état-major du BCSO aussi. Hein. Je vais appeler. J'ai pas le numéro de Savage. 42 n'est pas là. La PK, ouais. C'est ça aussi? Ouais, bah ouais, je pense. Hein. J'ai appelé Poel. Retour de sur plein. Fais enculer ce cartiste de fils de pute de merde. C'est bon. Tes gros tweets sur Travis. Mais ça, j'ai envoyé. Les couilles, tout le monde te l'a dit. Tu me régales. Comment ça, t'as les clés? J'ai pas les clés, c'était ouvert. Ah, c'est raciste. Moi. Ouais. Non, mais c'est quoi le rapport avec raciste? C'est sale ici? Oui. Parce que la dernière fois, la réunion était ghetto. Hein. Ça va, c'est mignon. Ici. Et là, c'est encore plus mignon. Ça va, j'aime beaucoup. Écoutez, non, sérieusement, à l'heure actuelle, nous avons besoin, tous ensemble, d'accord, de se tenir la main. Nous allons affronter une épreuve sans précédent. Alors... J'ai foutu la merde. Moi, je vous l'annonce, d'accord. J'ai foutu la merde. Ce n'est pas une annonce joyeuse, ce n'est pas une annonce gay. Les gars, dites-vous, tout ce que là, tout ce qu'on a fait là, qui va terrifier juste grâce à mes discussions, j'ai fait le forceur, mais sérieux. Santos, ou la population de K.E. Perico. Et c'est pour cela que... On a besoin de vous tous pour les rassurer. Vous êtes l'état-major. Vous êtes les personnes les plus importantes de Los Santos. Tous ici, un par un. Alors. T'as compris, Derek? Ferme ta gueule, Derek. Je vous explique quelque chose, d'accord? Sergent Cole. Ah, mais c'est la vraie musique. Mang, Harper. Wilson, c'est la vraie Evans, musique. Savage, Watson, Miller, Reds et Lead. Je vous l'annonce officiellement. Il m'a cité, j'ai pas entendu. Nous sommes en guerre. Ouais, je l'attendais. God bless America. Tu viens vraiment God bless America. 1 minute 30 de remplissage de trucs qu'on sait déjà pour le caler ça. J'ai envie de me casser. Des Avengers quand même. J'ai envie de me casser, il porte des gants, plus j'ai envie de me casser. Je suis Captain America. Il a mis les gants pour prendre les M4, c'est gros con. On va tous la niquer. Ah oui, je reviens. Alors, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Comme bon, les Loven. Nous ne sommes pas là seulement pour eux. Nous ne sommes pas là seulement pour les offensés. Nous sommes ici pour protéger notre pays. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Putain. Alors, je vous fais confiance pour cette opération. Et c'est avec un grand honneur que je vous dis. Putain, mais c'est la musique. Vous avez une chance, ce gros bâtard, je vais démonétiser. Alors, ne les décevez pas. Et allez-y avec une motivation à 200%. Est-ce que c'est bien compris ou pas? C'est reçu, monsieur. Ouais, est-ce que vous pouvez expliquer le concept de table? Parce que vu qu'on dit des trucs qu'on sait tous déjà, est-ce qu'on peut expliquer des concepts? Vous cassez les couilles, Savage, sérieusement. Vous êtes le casseur d'ambiance, Savage. Et vous faire foutre, le quarantenaire. Vous avez le rire à Babongo en plus. Babongo, je l'ai. Elle est bonne. Non. Très bien. Non. Du coup, vu qu'on dit des choses, c'est Black Widow. C'est Black Widow. Ferme ta gueule, Derek, d'accord? Alors, s'il vous plaît. J'ai pas parlé. S'il vous plaît. Demain, vous nous préparez. Ce soir ou demain, vous nous préparez du coup une opération, d'accord? Vous préparez quelque chose de concret. Non, c'est pas simple. Quelque chose de concret, d'accord? Ça va. Un plan, quoi. Et on commencera. Demain soir. On commence par quoi du coup? Les médias. Oui. On a dit, on était tous d'accord pour dire ça au moins. Je crois que c'était le seul truc sur lequel on était 100% d'accord, c'était ça. Médias into assets, into embargo, into... Into 10-10, pitié, je vais dormir, j'ai pipé... Mérique de fin, clap de fin, claquement de doigts. Est-ce que si on dit qu'on saisit les assets et qu'on dit qu'on accueillera toutes les personnes qui veulent l'asile politique et qu'on leur rendra donc leurs assets s'ils prennent l'asile politique? Derrière. Ta faute ça, j'ai créé une scène mauvaise bon là. Con, quoi. Vous me faites chier avec vos assets hein. Mais oui, mais c'est vraiment pour moi le meilleur truc quoi, la guerre économique avant d'en arriver à la guerre Furax après les morts. Il va choquer, il va et ça retournera le peuple contre son propre gouvernement. Bingo.
Vous entendez ça? Faut aller appeler la Pacifique et leur dire bloquer les comptes. Je vais faire une demande. De... Je suis nerveux. Et uniquement après la déclaration publique qui sont faites, comme ça, ça paraîtra comme une réaction mesurée. Et que ça expliquera un peu ce qui se passe et qu'il y aura un peu plus de compréhension de la part de la communauté internationale au regard de la situation. Il n'y a pas de civil, mais il y a une guerre au moins. Moi, je ne fais que proposer après, vous en parlez au gouverneur et nous, on disposera si besoin de nous. Réfléchissez chacun de votre côté à notre manière d'agir et demain, on mettra en commun et on verra ce qu'on fait, hein, de toute façon. Voilà. En tout cas, le plan commencera à partir de demain et ça sent. Sans recul, sans précédent. 10-4. Ouais, 10-4, je transmettrai du coup à 42 les informations de cette réunion. On fera ça. T'as compris, Derek, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, tu parles. Ta gueule, Derek. On va peut-être jamais... Oh, c'est vous, Derek. Oh, Derek. Ah oui, c'est vrai. Oui, Orlando aussi, ferme ta gueule. Hein. Quoi? Crois-le qu'on t'a oublié, officier 3. Là. Mais je vais jamais dire, moi. C'est moi, j'ai créé ça. Eh, malveillance max ce soir, je me régale. Malveillance maximale, je suis venu, j'ai... C'est moi qui ai créé ma bongo. Ouais. Ok, bon. C'est vraiment, ils ont peur quand j'ai mettre une cagoule ou j'ai non, foutu non, moi, le visage. Je vais m'afficher et, je vais dire mon nom. Voilà. Papa, papa, fais comme tu veux, mais c'est un interview. Tant que tu parles avec le cœur, que tu montres que tu as eu peur ou tu sais, tu fais exprimer les sentiments vous, là. Vous inquiétez pas, là on rigole, mais ça va être du sérieux, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voulez un café, quelque chose comme ça? C'est parti, on doit y aller. Ça va aller. Ah bah voilà, on y va. Allez, c'est parti, madame Mendes. C'est maintenant les chefs, go go go. Je peux me préciser, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos noms. Madame Mendes, ça n'a pas l'air de vouloir utiliser son nom, donc merci de respecter ça, du coup, Bijou. Moi, je vais dire mon nom, moi. Bah, y a pas oui, de soucis, toi, oui, mais pas les autres, c'est ça, en fait. Elle veut pas donner son nom, madame Mendes, avec toi. Donc, fais attention dans tes histoires de... Voilà, pour essayer de faire moins de montage. Voilà. WSH Legend. Okay. Ah oui, d'accord. Wesh, ça va, Knazi? Si vous êtes prêt, je vous laisse. Merci, mon gars. Troisième mois, tiens, brave. On tire ton gilet, hein, Bijou. Hein. Non, j'ai vraiment peur tous les jours. Je sens peur. C'est pas qui? C'est parce qu'il compresse la graisse? C'était normal, là. Il a dit bismillah. Il a dit quoi? Il a dit bismillah. Des billets violets, ouais. Nanana. Ok, on va se mettre une musique d'ambiance, les gars. Hashtag triste, hashtag émotion, là, les gars. Là, c'est... là on est en mode émotion. Va commencer. On est prêt. Messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une interview quelque peu choquante. Nous allons entendre le témoignage de deux citoyens qui ont été retenus à Kayobewe. Parlez plus fort. Alors, sans vous rentrer dans les détails, je vais vous poser quelques petites questions et vous allez essayer de m'expliquer au mieux possible ce que vous avez vécu. Si c'est un tout dur pour vous, on pourra faire des pauses, ne vous inquiétez pas. Très bien, d'accord. Alors, nous allons commencer par vous, monsieur à ma gauche. Excusez-moi, je suis encore sous les émotions. Est-ce que pour qu'on peut commencer par mademoiselle, s'il vous plaît? C'est comme vous voulez. Je vous laisse tout votre temps. Allez-y, mademoiselle, commencez. Oui, je du suis... Du coup, madame. Premièrement, de quelle manière avez-vous été retenue? Nous avons été retenus en cellule à Calais pour une durée de 2 jours en compagnie de la personne qui m'accompagne et de monsieur Yuri Blatov. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Nous avons été retenus à Caillou dans une cellule. Là, dites-vous que les gars, là, pour le moment, c'est chiant les soirées, on fait que du truc en bureau et tout, mais là, la personne qui m'accompagne ici à ma droite. Une fois qu'on aura fait tout ça, vous imaginez pas toutes les scènes qui vont sourire. Monsieur Blatov, Yuri. Yuri. Oui, ça va aller, monsieur. Prenez votre temps. Oui, oui. Tu me dis si tu veux que je reprends, madame. Oui. Vous voulez savoir dans quelles conditions nous avons été retenus, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Pas facile. De la manière dont on a été appelé? De quelle manière ont-ils réussi à vous attraper?
D'accord. Et comment vous ont-ils enfermé? D'accord, je suis allée à Cayo Perico parce que j'ai reçu un appel de mon ami monsieur Yuri Platov qui était EMS à Los Santos de nationalité russe, qui est devenu EMS à Cayo. Étant donné que nous étions amis, il m'a demandé de lui rendre visite. Chose que j'ai faite, je me suis rendue à Cayo. Et à la frontière, j'ai été attendue par la milice qui m'ont braqué et qui m'ont amenée dans une cellule où Yuri y était. Ils m'ont demandé d'avouer des choses. Au départ, par loyauté pour mon ami, je n'ai pas voulu. Ensuite, ils m'ont menacé avec des armes, donc j'ai parlé. Pas sans peine, hein, bien sûr, parce qu'ils ont été particulièrement violents. Vient ensuite le cas de la personne qui se trouve là, ici, à ma droite. Ils ont contacté cette personne qui nous a donc rejoint dans la cellule. Également, ils lui ont demandé des aveux sur des choses dont il ignorait en fait les faits. De ce fait, un monsieur a subi de la violence dans la cellule. Puis, excusez-moi, oui, monsieur, vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Oui, je vais reprendre, mais nos histoires sont un peu similaires. Mais c'est paradoxal parce que l'histoire a commencé d'une manière assez différente. Alors moi, on m'a appelé sur Cayo Perico pour une certaine randonnée. Donc, Cayo Perico ont volé le téléphone de Yuri, se sont fait passer pour lui et m'ont appelé pour une randonnée. Donc moi, je suis allé pour cette simple randonnée. Et une fois arrivé sur les lieux, on me met directement dans une cage où je retrouve Madame et Yuri. Yuri était encore en vie. Yuri, il était encore là parmi nous. Et ils nous ont torturés même dans la cellule. Dès qu'on parlait un petit peu, là-bas il n'y a pas de liberté d'expression ni de droit de parole. Dès qu'on ouvrait notre bouche, ils nous tapaient. Ils m'ont même par la suite tasé les testicules. Donc à l'heure actuelle, je suis stérile. Alors que j'ai simplement 32 ans, j'ai encore de la vie devant moi. Et moi... Qu'est-ce qu'il raconte, ce bâtard, là ? Ils m'ont tapé. Ils m'ont battu. Je pense qu'ils voulaient me battre à mort. Ensuite, ils nous ont... Oui, allez-y. C'est la question que je voulais vous poser, justement. Oui. Vous vous êtes vu mourir pendant toute cette détention ? Oui. Malheureusement, oui. Oui, tout à fait, on s'est vu mourir. Parce qu'ils nous ont clairement dit qu'ils se réservaient sur notre sort et qu'ils voulaient nous afficher sur une potence, c'est ça ? Je sais c'est plus. C'est ça, oui. Ouais. Et donc, en gros, justement, on y vient. Ah, c'est réel ! Après notre détention qui a duré plus de 2 jours, ce qui est énorme, plus de 2 jours, ils nous donnaient simplement à manger et encore, c'était des malades, restes frère, de nourriture, ni d'animaux, je sais pas ce que c'était. Et ben, ils nous ont ensuite emmenés sur la place publique pour nous cracher dessus, nous lyncher comme au Moyen-Âge. Ils ont aucun scrupule pour la femme et l'homme, peu importe votre sexe, même les enfants, j'imagine, ils doivent y passer. Ça, c'est pas la ils ont tapé, ils nous ont craché dessus. Et même involontairement, ils m'ont tiré une balle dans la jambe. Que... Ils m'ont tiré une balle dans la jambe. Oui. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas. Est-ce que pour vous, ils ont éprouvé du plaisir ? Lieutenant Savage, je l'écoute. Nickel, oui de fou, oui de baiser. Ok, m'en fous. Bonjour, qui était à l'appareil ? Le mec pose une question, il est 40. Oui, vu que t'es pas tilt. Après, y'en a qui. Affirmatif, y'en a qui me préfèrent quand shield, hein, perso. Mais après, c'est pas une question. Situation sous contrôle, code 4. Y'a plus d'individus masqués et armés. J'ai rien dit, il y a des individus armés à l'intérieur de la mairie. S'il vous plaît, monsieur, on va vous demander de circuler. Moins d'un kilomètre. Elle a speedy. Bon, non, négatif. Madame en plus, s'il vous plaît. Bonne soirée. S'il vous plaît, ils ont pris 11 en otage, je suis devant la porte. 10-4, on arrive tout de suite. Reculez. Putain, il y a encore une PO dans la mairie, frère.
Ouais, je vais prévenir le mon côté de BCSO. Alors ça, je te le dis, hein, si un hélico, là, comme la dernière fois, j'ai sorti un avion de chasse, là, cette fois-ci, je vais sortir un hélico militaire et sur ma mère, ils vont jamais partir d'ici. Comme ça, on est à 300 mètres. Ça va être pour tous, à titre informatif, on a une situation de crise au niveau de le bâtiment de la mairie de Los Santos, individus ayant pris en otage les membres de la mairie. Il y a deux Adam qui arrivent normalement. Ah, c'est des loups. Pour les agents sur la mairie, passez radio 2 s'il vous plaît. Fiche 4. Mais pourquoi toujours split les radios, The Bee? Quels sont les deux Adam en plus qui vont s'il vous plaît pour la mairie? C'est insupportable de toujours je comprends jamais pourquoi ils splitent les radios. Genre vraiment, ils font ça tous les jours. C'est bon, ça goûte. Merci. Si je me trompe pas, il y a ça aussi qui vient. Heure à l'intérieur de la mairie. Pourquoi vous splittez toujours les radios? Parce que comme ça, on leur laisse le terrain à eux. Ouais, je sais pas. Il est au sang. Ah ouais, il y avait vraiment 4 sultanes en fait, c'est pas une blague. Ouais. C'est une autre OP, bah ouais, mais dans le cas où il y a une autre OP, vas-y. Rich, range. On a peut-être pas trop d'hommes là. Attendez. C'est bon. Vous parlez à qui? On est bon, regarde. Il y a un mec devant. Mec devant ? On a pas trop d'armes là. Par contre, Connor, je vous le dis, hein, s'il y a encore un hélico qui part ici, je vais sortir un hélico militaire. Non, il regarde tous les véhicules qu'elles vont. Ouais, je pense qu'ils vont partir en voiture. Est-ce qu'il y a une... jamais. Est-ce qu'il y a... Ouais, donc de toute façon, ils vont évoquer leur demande et ils vont certainement avoir un hélicoptère. On a une sortie de côté ou pas ? On a assez d'armes là ? Oui, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Il y a une sortie ? Pour votre photo. Ça va, vous allez bien? Alors je le vois. Je vois, hop. Ah oui, d'accord, il est là. Ça va et vous, hein? Bah ça va très bien, oui, merci. Il se passe quoi ici? Nous avons une discussion avec monsieur le maire et ses amis. Comment ça, vous avez une discussion avec monsieur le maire et ses amis? Oui, nous avons une discussion avec monsieur le maire et ses amis. D'accord, donc vous venez armé enfin, dans ils ont fait une OP sans leur véhicule avec leur plaque. D'accord, ok. Et la version... Vous voyez, parce que vous me dites oui, clair, net et précise. Forceur, ça sert à rien, c'est juste chiant, nanani nanana. Et vous pouvez pas prendre rendez-vous comme résultat, tout le monde. Résultat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur cerveau. Et là, ils ont des véhicules volés. Parce que leurs véhicules sont cramés. Oh, comment tu l'ennuies, le mec? C'est-à-dire. Oui, bah, je commençais à arrêter de l'ennuyer, vous allez comprendre, hein. Vous deux, vous prenez les négoces, ok? Savage, Affi. Ok. Du coup? Excusez-moi. Ok, pour l'opération à la mairie, du terrain, et du coup, comme je vous disais, Seigneur, nous avons besoin de discuter avec lui pour quelques informations qu'il possède, simplement. Quelques informations qu'il possède? Oui. Le maire? Oui, le maire. Ils veulent foutre la merde avec Caillou, ces enfoirés là! Très bien. Y'a combien de personnes pris en otage actuellement? Merde, attends, je vois pas. 08 BRI 596. On a à peu près une dizaine d'otages. Très bien. Et c'est quoi le déroulé des choses? Vous avez prévu les choses comment? Dis-nous. Bah, le déroulé des choses. Tonton, on se dit 3. Non, c'est pas, on n'est pas au calmette, vous voyez. Vous avez décidé de venir de cette manière-là, donc va falloir mettre les choses de manière claire, nette et précise, d'accord? Les otages vous permettront de gagner du temps, tout simplement. La discussion avec vous, avec MR, par contre, j'ai juré, vous rebaillez. On va sérieusement songer à une intervention. Il est trop à l'aise. Vous avez pris un maire en otage. Hein. Si vous voulez aller faire une sieste, restez chez vous. Hein. Je ne dois pas bailler, Seigneur. Non, mais on est où là? C'est un cirque ici. Oui, on est où exactement? On est dans un cirque ou quoi? Mais c'est vous êtes le clown là, à l'heure actuelle. Ah oui, non, là vous êtes un clown et ridicule. Enfin, du coup, il faut des agents en sécurisation à l'extérieur et. Voilà, mets-lui un peu de pression, MyG. Je pense qu'on est bon là, sinon. Je vais finir de discuter, je vais vous amener quelqu'un d'autre parce que je pense que ça va pas aller entre nous. C'est trop contagieux. C'est trop contagieux. BCSO pour aller speedy. Allez, écoute. Qu'est-ce que tu as toi? Mais arrête de manger le micro. Négatif pour l'instant. Je mange mon vie à la place, mais c'est bizarre, c'est mon chat. Oui. Gérer la radio, c'est bon, 8 otages donc gère la radio. Ouais, pas de soucis. C'est bizarre en vrai, dit comme et ça, non dans la mairie comme ça. Arrête. D'accord, ok, très bien. Et vous voyez les choses comment du coup? Mais tu me bandes. Non mais attendez, je vais vous montrer. Attendez.
Oui, attends, on va leur parler. Et... pour ce que j'ai à faire après, tu as au bon. Ah, elle est brûlante la brio, frère, je peux même pas la tenir dans mes mains. D'accord. Ok, bah, je vais vous expliquer, d'accord. À l'heure actuelle, du coup, on va positionner des personnes sur le toit. Vous, vous allez être abattu avant même que vous puissiez rentrer à l'intérieur. On va envoyer une petite intervention qui va abattre, essayer d'abattre le plus rapidement. Elle a notre version des choses. Du coup, maintenant, on va falloir discuter. On va discuter de ça. Bien sûr, okay. On va pouvoir discuter. Très bien. Qu'est-ce que tu forces? Du coup. C'est fait, bah, à 4 du coup, ans. Si tu veux que j'ai des infos, je vais. Est-ce que je fais comme d'autres personnes les streameuses qui laissent leur chat comme ça, genre. Je laisse ma cam comme ça, là, en mode. Christian, tu me fais du buzz ou quoi? Vous avez vu la différence entre les deux caméras? Bonsoir, senior. Bonsoir. J'ai une cam chat, les gars. Non, mais j'ai vraiment vu des streamers, parfois, ils mettent genre une caméra dans leur arbre à chat. Manon qui vient pour négocier et se faire insulter de clown, c'est ça que j'entends? Oui, clown, ridicule, à deux doigts de se faire abattre par la même occasion aussi. Il est chaud, Riley, ce soir, il est prêt. Une personne qui n'arrêtait pas de bailler. Il est prêt à tout baiser. Il a syllabes, je crois même. Je vais vous dire un peu ce que... Moi je rentre. Ça part, ça part, ça part. Les SMS ne marchent pas non plus. Rien ne marche. Ok. Attends, là il y a une, la sultan grise, celle-là c'est pas la nôtre. Ouais, non, c'est la suivante. Ou c'est l'autre. Ils sortent en même temps les grises, j'ai l'impression. Fais chier. Elles sortent en même temps. C'est celle de derrière, je crois. C'est celle de derrière. Ouais, c'est la deuxième. On s'en occupe. De véhicule. La deuxième va suivre. On va se charger de la deuxième. Ça pue cette histoire. 40, 10, 3. Oui, clairement. Allez, Condé, ça arrive, ça arrive. La sultane 2 n'a pas bougé. La sultane. Il faut des agents qui s'occupent des otages. Vas-y. Pour récupérer après, le maire. Après, on est là avec 11, 14. La voiture de patrouille, on est en train de vous éclairer un véhicule qui est en train de partir en fuite. Il a été occupé par les ATM. Mais à Skip, je viens de voir un truc là. Il s'est passé une dinguerie pendant les négociations. J'ai lâché la sultane bleue, je suis sur un 4x4, hein, le mec a sauté en parachute, d'accord? Mais genre, une dinguerie HRP, genre pas de RP, genre. Call prioritaire, un mec qui a eu un. Du coup, un agent de sécurité qui sera enfin à l'intérieur. Fais pas avoir parlé de toi aussi, ça me t'en conjoint. T'inquiète, t'inquiète, bon. Bon, je me concentre. De 36 à haut, la sultane bleue n'est pas partie. Qui a besoin? Actuellement, personne n'a besoin de backup, il y a deux unités derrière chaque véhicule, ok? Ce dont j'ai besoin actuellement. Tant qu'au capitaine, on va avoir besoin d'aide, on est suivi. Et pour les unités qui ne sont pas partis en course-poursuite, du coup, n'hésitez pas à anticiper les plans mules et être à l'affût sur les 10-30 points, s'il vous plaît. Et quelle scène? Tu veux que je scripte quoi? Je suis même pas d'illégal. C'est copié. 39, appelez-moi. Faut désactiver les radios, là. Pourquoi ils... En d'habitude, je crie arrêtez-vous, mais là, bon, je pense pas qu'ils vont s'arrêter, quoi. Je suis pas sûr, mais je pense pas. Hein. En fait, je suis pas habitué à celle-là. En fait, elle est pas comme la Polchar. Elle a plus de patates et moins de virages. Ouais. Je me fais un peu niquer sur des mini trucs. Donc juste que tu freines. En fait, je suis tellement habitué à la Polchar que. Ouais, puis la Polchar, j'ai l'impression que tu peux faire du frein à main quand tu veux. Surtout que moi, je suis un homme du frein à main. C'est dingue, je l'ai pas. Ouais, je comprends. Arrêtez avec la radio, arrêtez avec la radio. J'ai l'impression qu'ils sont que deux dans la bagnole. C'est potentiellement des gens qui sont en danger s'ils ont spam radio. Oui, oui. Voilà, pas de radio, il y a là, de radio, façon, il y a rien qui marche. Radio. Elle marchait à l'instant, mais elle marche plus. Ok, ben là, on est voué à nous-mêmes. Hein. Est-ce que les papiers qu'ils ont récupérés, c'est ça qui leur permet d'avoir mis en place un blackout? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que... En tout cas, il y a de l'organisation, quoi. Ouais, ouais, c'est pas des petits cons, ça. On est bien niveau essence? Ouais, on a le plein, là. Nick. Ça m'a fait le plein. Allez, t'es un roi, tu vas lui avoir. J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose de prévu, ils essaient pas vraiment de me semer là. Bah, c'est pas faux. Il est malin, il a éteint ses phares. Dans ces moments-là, c'est les moments clés. Va nous emmener à l'autre. Je le sens, tu vas voir. À la tour, il va nous emmener. La tour en construction. Ah oui, c'est possible. Merde ça.
Ah ouais, carrément, il y a une backup 3 là. Oh, quoi? Backup 3? Ouais, 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 je crois que c'est fait tirer dessus sur l'autre poursuite. Hein. Je crois qu'il y a vraiment aucune radio, mon vieux. En vrai, ce qu'il faut se. Ah ouais, je crois. Ce qu'il faut se dire, c'est que. Putain, s'ils sont 4 dans le véhicule, nous on est. Ils s'arrêtent, ils nous tirent dessus, c'est un 4 contre 4 et encore la voiture à l'arrière. Ils sont pas 4, je crois pas qu'ils soient 4. Hein. Ouais, à l'arrière, je vois déjà, je vois pas de mec. Enfin, en tout cas, arrière gauche, je vois hein. Personne. Pour moi, ils sont 2. Hein. Attends, je vais regarder avec la caméra. 2, ils sont 2. Ou alors ils sont couchés à l'avant, mais ils sont 2. Ouais, c'est possible qu'ils soient couchés à l'arrière aussi, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Après, là, j'ai la M16. Hein. Ouais, ouais, mais c'est vrai que nous, le temps qu'on descende, on sera déjà pris des balles. Les mecs derrière, le temps qu'ils descendent aussi. Ouais, c'est clair. Après, derrière nous, ils sont 3. Moi, je descends de ton côté au pire des cas. Tu nous braques sur la gauche et je descendrai de ton côté. Ouais, ça on sera à couvert. Il a failli me niquer avec sa moto, lui. Merde. Putain, on n'a pas le droit de se gratter le front, là, ici, ou quoi? Pourquoi ton front, il te gratte, là? Il est trop grand, ton front, c'est un problème. Il transpire, je me la donne. C'est trop chaud, là, dans la voiture. Mets la clim. Vas-y, j'active la clim. Tu invoques la clim, on dirait t'as invoqué un sort. Je sais pas comment il s'appellerait le sort de la clim. Je sais pas. Hein. En ce moment, c'est vrai qu'il y en a besoin. Hein. Putain, le bordel de cul. Franchement, ouais. Oh, l'anticipation. Temps radio. Trop fort. Pourquoi on a 3 voitures? Ah, je sais pas. Je pense que c'est des gens qui sont venus en anticipation. Ouais, on a une anticipation, ouais. Ils sont dangereux sans leurs phares en pleine ville comme ça. Ah ouais. Sans les phares, en blackout, ils auraient une suite en noir, crois-moi. Ouais. Ça se voyait qu'ils voulaient aller à droite. Je sais pas comment expliquer. On va aller sur l'autoroute, non? Je pense qu'ils... Je sais pas, ils tentent pas des choses, c'est bizarre. Je pense qu'il va se rendre compte qu'il m'aura pas comme ça. Il va à droite, ça. Il va à droite là. 100%. Ah non. Il va se rendre compte qu'il m'aura pas comme ça, donc il va essayer de mettre des plans là, c'est sûr. SUV sans phare qu'on vient de croiser. Pardon monsieur. Oh la vache. Désolé. Et il est sur le trottoir aussi. Après, il faut être vachement organisé parce qu'en général, les gens qui font des plans mules, ils ont des téléphones. Là, vu qu'il y a un blackout, il n'y a pas de téléphone. Donc, les plans mules. C'est clair. Soit ils les ont prévus, soit. C'est tout à fait correct. Ah, tu vois, là par exemple, typiquement, ça peut en être un. S'ils l'ont prévu, c'est avec un timing minuté. Ouais, Une heure du matin, s'il y a quelque chose qui se passe, ça va être tout de suite là. Ah, là, c'est les endroits. Hein. Encore le Huntley, je crois. Le même SUV là. Oh là là. Ah, c'est facile de se faire surprendre ici, hein, avec les rebonds. Putain. Il est encore là, ce SUV. Ouais. Wow. Si on repasse, je vais essayer de l'avoir en photo. T'as entendu, le Huntley, ils ont insulté les agents et il y a eu des chutes. Ouais, va te faire enculer, j'entends. Ah, ça a tiré? Ouais, merde. Ouais, ça a tiré. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Je sais pas si c'est des gens qui les défendent ou autre, mais. Ouais. Y'a toujours notre collègue derrière? Ouais, c'est bon. Je vais le voir. Ah, je vais pas le lâcher, les gars.
Ça va, tu la maîtrises bien. Pardon, monsieur. Oh la vache. Attends, j'avoue que si elle était noire, sa voiture, ça serait vraiment compliqué. Ah, franchement, ouais. Hein. C'est ce que je me dis là. Heureusement qu'il y ait une couleur claire, parce que putain, un noir, qu'est-ce que je l'aurais perdu en deux rues. Petit noir mat, là, tu le vois plus. Ah. Véhicule d'intervention discret de nuit, couleur trou de balle de bijoux Wells. Ouais. Ah, c'est discret. Hein. Ah, il m'a baisé. On s'est fait ken. Putain, voiture de merde, elle m'a baisé. Pourquoi il m'a. Mais non, mais c'était là-bas. Oh non, mais non, je rêve. Mais vous suivez pas. Putain. Oh non, bah ouais, alors mais... là, je suis vert. Ah ouais, mais ils m'ont suivi comme des queues, frère, aussi derrière. À gauche, non, je crois. À gauche, ouais, je suis pas sûr. Là. Putain de voiture. Putain. Bah, c'est Mia, hein, apparemment. Ah ouais, mais ils servent à rien. Ils me suivent littéralement en fait. Juste, ils me suivent quoi. Ils suivaient pas la voiture, ils me suivaient moi. Oh putain. Oh le dégoût. Oh le truc de merde en plus qu'il m'a fait. Franchement, j'ai le seum. Tu sais, c'est le genre de truc qu'on pourrait faire sur ce genre d'OP. On pourrait utiliser un marqueur sur leur véhicule. Hein. On le pose en dessous. C'est vrai. Oh, ça fait dans chier. Certaines situations, ça pourrait être débloqué. Putain, voiture de merde qui m'a baisé. Attends, par contre, j'ai l'impression. Ah, t'étais trop près, si tu veux mon avis, mais bon, ouais, ça ouais, c'est. Mais j'étais trop près, mais j'aurais dû prendre de la distance à ce moment-là, je suis trop con. Attends, par contre, je crois qu'ils l'ont récupéré. Hein. Parce que je vois que ça bombarde là-bas, là. Regarde devant. J'essaie de regarder si je vois les pimpons au loin, mais. Enfin, les entends. Ah, putain, j'ai le dégoût. Mon chien qui doit avoir peur du mort. Devant, c'est en train de bombarder tous ces morts. Ouais, je vois les phares. Encore le Hunter, hein. Ouais. Allez, on circule, s'il vous plaît. Je vais pas les patrouilles, je le dirai pas deux fois. Comment dire que je vois les patrouilles? Circulez là. Personne, moi je fais allumer, bordel de merde, par vos agents. Personne vous allumez, monsieur. Circulez, s'il vous plaît. Arrêtez de suivre les poursuites, messieurs. Vous continuerez de vous faire allumer, sinon. Oh bah, voyez. Ah, devant, il y a une poursuite, c'est sûr. Je vois un véhicule bombardé vers le casino, là. Putain, j'ai fait aucune erreur du début à la fin, là. Putain, mais là, franchement, tu vois, ça, c'est le boulot de la voiture derrière. Quand tu as la voiture devant, hein, parfois tu peux te prendre des fêtes, ouais, comme ça, c'est logique. C'est... Bah, t'as merdé, mais c'est des erreurs normales. Et ils auraient dû pouvoir reprendre derrière. Ils ont... Je sais pas pourquoi ils t'ont suivi. Ils étaient à Bamako. Ouais. C'est pas dimanche. Ouais. Ah, pour une fois, t'as une rêve. Non, mais j'ai plein de rêves, juste pas les rêves de rap, c'est tout. Ah ouais. Alors, attends, ils sont où? Moi que j'aime pas, c'est juste que je les ai pas, quoi. À gauche là. Et là je vois qu'une voiture dessus. Mais qu'est-ce que tu vois en fait? Je vois les collègues devant là-bas là. Parce qu'on a rien qui marche en blackout mon vieux. Ah oui putain. Même l'ordi de bord. Ouais sur ma main. Ah ouais non, y a pas de transmission GPS là. Eh ben nique c'est mort. Putain, mais j'en ai marre, c'est tout le temps grise, elle m'a bandé. Fais chier. Putain, ils m'ont niqué comme ça. Ah, franchement, là, je suis deg. Ah, moi, je voudrais pas te foutre le démon, mais j'ai déjà gagné une course poursuite. Ah ! Oh putain, con ! Oh la vache ! C'était pas des lol, ça. J'ai gagné une course poursuite avec un caddie de golf, moi. Ah ouais ? Ouais. Eh ben, putain. Contre une sultane. J'aurais bien aimé qu'on soit ce jour. Moi j'aurais été lui, je serais allé là. Je pense qu'il serait barré le plus loin possible, mais c'est pas con, on va faire un cercle de plus en plus grand. Oh, celui-là je le connaissais pas, tu vois. Pas mal. Faut connaître.
là-dedans, caché ici. Ouais. Et là, on pourra même pas aller sur les potentiels 10-49. Hein. 10-59, pardon. Parce que. On les a pas. Putain, j'ai eu le seum. Allez, avec un peu de chance, ils en ont... il y en a certains qui ont été attrapés et puis ça va nous permettre de faire quelque chose. Bah, je sais pas, ouais. Je sais pas exactement ce qui s'est passé pour le coup. On va tourner, hein, si on voit une sultan ou les bites. Ah bah oui, hein. Tiens, là, il y a une voiture qui... pas trop le choix, de toute façon. Une voiture qui roulait vite devant, là, j'ai vu. Ah, mais ça, c'est quoi? C'est des collègues, ça? Gourma. Non, c'est pas une gourma, c'est, ça, gator, c'est, ça. C'est le Gatorès. Ah, je vais niquer les autres. Oh! La lumière! Eh ben, ouais. Encore une mallette. Ah, bah les radios, toujours pas. En tout cas, on a la lumière, c'est déjà un bon début, non? Ça dit quoi, les frères? Ça va, Edge? Ça va venir, ouais. Je regardais, en effet, ça veut dire que ça va revenir. Si c'est ça devant nous. Ouvre-le au milieu de la route, monsieur. Bonjour. Bah, rien, monsieur. Vous allez bien, monsieur? Hein. Vous êtes masqué, non? Bah, non, je suis pas masqué, monsieur. Ah, vous êtes, ouais, c'est juste parce que vous êtes. Voilà. Ah ok, non, bon, on va circuler d'ici, monsieur, suis, s'il vous plaît. C'est parce que je suis black. Non, ça, je peux pas le dire, tu vois. J'ai pas jamais dit ça, pas du tout. Putain. Il était tout seul dans sa voiture, donc en soi, je pense qu'il y a rien de. Il y a un collègue là. D'accord. Je vais essayer de rallumer ma radio. Ah, il y a une voiture là devant, non. Il est en train de poursuivre un mec. Oh bah let's go. Une Infernus blanche. Ouais, c'est peut-être pour lier à l'opération, mais dans tous les cas. Ouais, putain, bombarde, comme elle va trop vite sa voiture devant. Ah bah l'Infernus, oui, alors avec ça, bon courage. L'Infernus, ça rigole pas. C'est bon, tout va bien. Mais c'est pas possible, je vais les défoncer eux. T'as une sultane sur le côté là. Ouais, mais y'a personne dedans, j'ai regardé. Ok, allez là l'Infernus. Après, je pense qu'une Infernus, je la tiens, honnêtement. Ouais. Faut juste que j'arrive devant, quoi. Ah là, let's go. C'est quoi qu'il a, c'est une Pulsar devant? Non, c'est une Charger aussi. Ouais. Oh, c'est 97 en plus. C'est 97, c'est bon. Ça me régale. On est là, c'est bon. Ouais, les collègues, c'était la merde. C'est qui, lui? Ils nous ont bloqué là pour vous mettre ça dans la voiture, ils ont voulu nous faire les popotins. C'est des mecs de la mairie? Arrêtez-vous, dans la loi! C'est des quoi plus de la mairie, oui. Ok, allez mon frère là, on lâche rien, toi et moi. Oui, bien sûr. Bien sûr, arrêtez-vous, vous êtes dans la merde. Je vais prendre le lead. Comme ça, je prends 97. Je prends les plans mules vu que je vais plus vite que toi et tu le reprends, c'est bon? 97X34, ça va chier des bulles. Ça va chier des bulles. C'est bon, la radio remarche. Je prends le lead, comme ça, tu me le lâches jamais, mon frère. Ah, nickel. Petite feinte que je me suis pris dans les fesses. Je regardais derrière moi, ça fait plaisir. On le bien le lead, hein. Ouais, le lead, ouais. Je parle pas du lead hôpital, hein. Le lead mur. Radaboum! On va savoir également la poursuite des terroristes de la mairie qui sont changés de véhicule pour une Infernus blanche. La poursuite est sous contrôle avec l'unité Adam 97. Moi, j'ai pas encore activé ma radio. Je peux pas là. Ouais, t'inquiète. En vrai, ça se fait. J'étais dans le garage. C'est bon, j'ai ma radio. Orlando, 10-3. De 50 points, je me demande pas si c'était justement des agents de la BCFE, je sais pas. Je vois ça. 97 et moi, sur des mecs qui ont fait des dingueries, genre des prix, des gros trucs, des gros plans. Ça, c'est la Dream Team, ça. Quand on est des voitures séparées, à chaque fois, ça se passe bien. Non, mais j'ai eu des écoutes de conduite avec 42 et tout. Je sais que bonne fois, il a une bonne. Ouais, bonne fois, vraiment. Une très bonne conduite. Puis c'est la TD au max, quoi. Et nous, à la télé, côté BCSO, on a une gonzesse que quand elle est sortie de sa voiture, elle a dit j'ai oublié que j'avais un flingue. Et du coup, elle a sorti son taser au lieu de son flingue et elle s'est fait prendre en otage. Ah, mais attends, coup, je crois que j'étais là. Ah non, nous, c'est un autre agent. Mis à pied et du coup, elle doit repasser son PP.
Nous, il y a un mec qui a fait ça sur des terroristes. Si c'était moi qui décidais, de... ils étaient virés. Hein. Bah, nous, il s'est fait virer sur des terroristes de Cletus qui ont fait ça là. Il est sorti avec son taser au lieu de son gun. Sur la deuxième sultane grise, si jamais il y avait la Tango 23 accompagnée de la Dame 34. On les a. Par contre, faut pas taser quelqu'un qui est énorme en main. Mais du coup, c'est on a rejoint 87 sur une autre poursuite. Le mec, il a des spasmes, il tire en tombant. 23, on est radio, hein, vous en faites pas. Il y a bien le trait. Oh, c'est le bordel, la radio. Coup pour information sur le véhicule de shérif abandonné, on est en train de clear la centrale électrique actuellement avec 22, on vous tient au courant. Bien pris. T'as là une patate, ma caisse. C'est l'histoire. C'est reçu, du coup, quand il y a eu le blackout au niveau de la téléphonie, etc., il y a eu un agent du maire blessé par balle. Oh putain. Donc ils sont prêts en écoute sérieusement. Ah ouais, non mais là celui-là, s'il se plainte, faut pas s'attendre à ce qu'il descende et qu'il dise oui, mettez-moi les menottes. Hein. 10-4, il y a une seule poursuite, c'est avec 97 qui est encore en cours, le reste, il n'y a plus aucune poursuite. Donc 35, 87. Faut pas qu'on les perde. Hein. Tout repose sur nous, mon gars. Tout le monde avec Adam 34. 01 pour la dame 07. Oh, évidemment. Évidemment, à ce moment-là, il faut qu'il pleuve. Oh mais j'ai plus confiance en notre voiture que la leur. Pour la pluie. Ça va le faire. Ouais, c'est super sportif. Après, je pense qu'ils vont faire des plans mules, donc si vous voulez, c'est pas loin pour anticiper au cas où. Disons, ouais, là, c'est possible les plans mules avec le retour des téléphones et tout, ça a changé la donne. Ouais, c'est pas faux. TPH, s'il vous plaît. Il y a trop de call radio là. Il faut une radio clean et plus aucun mot radio là. Putain, je glisse. Ah, il a eu qu'une averse, mais ça suffit à bien mettre de l'eau. Là, mes freins, j'ai senti là. Ah, le sol est trempé. Hein. Ça me rappelle mon ex-femme. Hein? Y'a pas que le sol qui est trempé, y'a aussi ma culotte quand j'entends un douce voix sauvage. Tu portes des culottes, Patrice? Arrêtez-vous, nom de la loi! Bande de terroristes! Ah toi, connard! Je vais te botter le cul, mon gars! Ma botte va finir tellement profond dans ton cul que tu vas pouvoir goûter le cuir de ma botte à l'arrière de ta langue! Arrête-toi! Je vais te mettre une patate même si je te l'ouvre qu'avec le vent je t'enrhume! Arrête-toi! Immédiatement! La vermine, tu vas te prendre une deux balles d'ops dans la gueule! Tu vas dormir 2 heures! Avec ta Lamborghini là! La Lamborghini vieille là, elle est même pas belle. Elle coûte même pas cher. Elle a des weeds. Oh! Oh! Vas-y, il allait tourner. My bad. Tango 03, du coup, 01 code prioritaire, la seule unité qui manque actuellement, du coup, c'est la dame du capitaine compagnie 69 qui ne répond pas. Arrêtez-vous les coiffures là! 10-4, copie. Tu sais qu'en plus le spoiler de cette voiture, il était pas légal, ils étaient obligés de le mettre sur le parking de leur usine. Avant de démarrer, hein. Pour le... Ouais, parce qu'il était pas légal. Eh ouais, mais lui aussi il est pas légal ce mec là. Allez, écoute. Bah là je suis en poursuite. Hein. Non, il est rentré dans les tunnels, dans les rails. Il y a une mule juste au bout. Oh putain. Oh les cons. Il nous braque. C'est bon, non. Oh la vache, je vois rien que le mec, qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, attention, recule. Oula. Attention, recule les gens. Il braque. C'est qui ça? C'est qui? Sultan. Ils ont changé d'insultan. Ah, c'est vous 97 là? Ok, c'est bon. Ah, juste, je savais pas c'était qui derrière. Putain, je m'attendais pas à ce que ça fasse un carambolage comme ça sur ma main. Ah, ouais, t'avoues les coiffules. Ah, j'étais obligé d'essayer de counter le plan. Mais après, t'as vu, j'ai essayé de me laisser me faire braquer une fois qu'ils sont descendus. Je me suis dit, vas-y, on va se laisser. Je pense pour savoir l'aider du coup. Pour information pour la poursuite en cours avec la dame de Ouais, excuse-moi. Avec 34 ainsi que l'unité la dame 97. C'est pas les freins de la Polchor. Blanche. Ah ouais, t'as boulet quoi, pull. Bien reçu, direction. Putain, j'ai niqué ma caisse, hein. Votre seconde rue, là.
Moi ça va super, ma voiture, elle touche pas. De véhicule, si je comprends bien. Là vous leur expliquez qu'il y a un prochain changement de véhicule, ils sont basés sans sommation. Oh, alors, oh, le dernier de leurs soucis. Je me suis pris une petite pichenette. Le mec, il veut qu'on les tase, le mec, il vient de nous braquer. Attention, si vous êtes. Je vous laisse, c'est du sable dans les yeux, arrêtez. Je vous jette de l'eau. Par contre, on est 4 voitures là, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est les collègues devant. 06, oui, Orlando. Laissez-moi passer les chefs, s'il vous plaît. Eh ben voilà, tu me laisser passer, tu fumes, Rosen. Bon, par contre, on va pas tarder à fumer avec le l'impact qu'on s'est pris là. Voilà, c'est pris, je l'ai senti passer dans mes côtes là. Vers les derniers vols de véhicules. Ah putain, il fait chier avec ici. Ouais, mais à chaque fois qu'il se prend des barrières, c'est bien. Ah ouais, attends, il est masqué. Il est démasqué, j'ai pas rêvé là. La cellule, c'est ça qui il est démasqué, hein, à l'avant. Tous les barreaux. Non, il est masqué. Il est masqué. Il y a juste un truc couleur chair. Ah ouais, ok. Putain, j'ai cru qu'il était démasqué. J'ai l'appareil photo au pire des cas. En tout le cas, j'ai la plaque. Et je te laisse suivre 97. Oh oui, attends, je vais les avoir. Oui. Ah, il va trop vite. Dommage. Ça sentit le roussi, les Wakai. C'est vrai que là, on doit être deux voitures de mort. On est dead, c'est juste qu'on a croisé des collègues. S'il vous plaît, on est trop d'unités sur la poursuite là, juste deux, ça suffit. Les collègues! Les véhicules s'anticipent, je suis pas bêtement. C'est mon boule ça! S'il vous plaît, vous prenez un ou deux blocs d'écart par rapport à la poursuite, vous les suivez grâce au tracker GPS. Oh putain! Mais quel connard! 10-50, 97 temporeuse. Peut-être plan parking ou chez une unité plus one. Putain. Quel fils. S22. Si one. Je mange mes côtes. Non, ouais, ça va, vous. Vous êtes pas mort. Écoutez, oui, ça va. Ok, ouais, je suis désolé, mais bon, vous étiez à contre-sens. C'est une voiture de police, putain, on serait mort sinon. Ouais, vous étiez à contre-sens, vous y allez à moins 150, alors essayez pas de donner des leçons. Oh, mais je lui donne pas des leçons, je vous dis juste que. Enfin, j'espère que vous aurez la diarrhée, voilà. Je vous souhaite une diarrhée également. Trop de caca liquide pour une semaine. Allez, bonne soirée. Putain. Oh, j'avale mes côtes là. Adam 34, direction Bénise. Bien pris. Ah, fais chier. Dégage. Mais rajoute pas, connard. Non, mais il m'a bandé, c'est bon, il m'a bandé. Non, si je te fais que tu fasses caca liquide. Putain. Je vous ai pas cassé une côte, Savage? Bah, je sais pas. Putain, j'en peux plus. Je crois que j'ai un furoncle. J'en peux plus. Attends, non, ça a aucun rapport avec ça. Bah, non, c'est bon. Ça a aucun rapport. Là. Pour le coup. Tango 03, besoin de 10-35 sur une des poursuites. 5-5. Urgence! Ah, encore un policier. Allez. Eh oui, bon. Les jeunes, c'est ça le problème, hein. Dans la vie, quand on fait des poursuites, on se prend les murs. Si tu répares le moteur, moi je répare les filles. Vas-y, je te laisse la gueule. Bon, en vrai, ça va, j'ai pas fait une erreur de conduite. C'est un culé, il roulait comme un cul. Putain. J'adore parce qu'à chaque fois, ils ont tous des excuses différentes. Ouais, non, là, il est. Je crois que je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre sans. Non, mais en fait, j'ai pris un contresens. Ah, mais c'est le monsieur qui m'a. Bon, désolé, je vous aurais bien donné un pourboire, mais j'ai pas de liquide sur moi. Ouais, on connaît. Moi j'en ai. Allez, pendant ce temps-là, je fais mon demi-tour. Ouais. J'arrive, hein, 97, en fait, je sors du bénéfice. Je veux pas de vos argent, monsieur, non, merci. Tranquille, vous inquiétez pas. 10, 4, j'arrive. Au cas où, si vous rappelez pas de qui je suis l'enseignement, la sécurité du maire. Ah, oui, oui, grâce à vous me dites quelque chose. Vous pouvez garder votre argent. Merci, monsieur, bonne soirée. Oh, mais putain de con, mais sur ma mère! Yo, il roule à 40 dans. Mais elle vient d'être réparée! Bordel! Putain! Il est pas content parce qu'on l'avait fait virer, lui. Il ouvrait trop sa gueule. Attention, la Raiden de gros bandit là! On va avoir votre 10-20 s'il vous plaît, 71. On est au niveau de Vinewood. 10-4. Mais je vois pas leur truc, pourquoi? On va vers la place des cubes. Ah, il descend, en face. Ouais. On est juste en face de vous.
Tu as vu, je me suis servi du petit contrebas. Vous voulez que je reste en anticipation? Oui. Ouais, s'il te plaît. Allez, c'est bon. Je vais vous en faire, moi, de l'anticipation. Je te dis, je check, du coup. Et pour le moment, ils sont sur Power Street, ils tournent sur Vespucci, direction ouest. L'anticipation, je jure que c'est vraiment le copilote. Alta Street, direction sud. Ah, il vient par là, mon loulou. Il passe à Adams. Il va à la droite, c'est sûr. Il va à la droite, ouais. Il retourne vers Little Seoul. C'est con parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il va à la droite. Ah non, pour une fois, vous voyez. Ah, le problème, c'est que je les vois que quand j'ouvre ma tablette, moi, c'est chiant. Ah ouais, non, moi, je les vois bien. T'inquiète pas. Donc tant que tu les vois bien, ça suffit. Hein. Je dis si t'as besoin que je te dise et puis voilà. Alors, là je vais essayer... Ah, j'aime pas cet endroit, on a perdu là-bas. Allez là, ici, tout droit. Salut mec. Salut mec, ça va? Il a mis deux heures à m'esquiver, ce trou du cul. Je sais pas prendre un virage à moins de à plus de 50 km/h, ça va ou quoi? Il ose me dire qu'il me fout droit en conduite, ce connard, hein, quand même. Faut se rendre compte du délire. Alors. Ouais, je fous droit Sadaron. Est-ce qu'il va aller à gauche? Je sais pas qui c'est, mais. Sadaron, une pute, certainement. Allez, à gauche. Hein? Là, il va aller à gauche. Là, regardez, là, maintenant. Ah, il est à la droite, nickel. Ah non? Non, parking blanc, non? Il a fait un demi-tour? Non, ils l'ont juste loupé. Oulala, il s'est vautré. Oulala, qu'est-ce qu'ils sont. Ok, ils sont sur. À gauche. Ok, ils sont sur la seconde. Il va reprendre au Wick, je pense. Occupation ou Wick? Moi je vous dis à gauche. Occupation, il était à la droite. Ok, je vais rester dans la rue parallèle au-dessus. Il remonte sur Alta, il va remonter sur Vinewood là, il passe à Wick. Ok, je vois. Pitié qui tourne. Ils sont sur AV qui est venu direction est là. Ouais, il a tourné. Ouais. Et ben moi je suis sur Spanish, voilà, écoute. Et ils remontent sur Power. Ils vont peut-être arriver sur Spanish en face de nous, ça serait incroyable. Ouais. Ils sont sur Spanish direction est. Ça va vers Mirror Park. Ouais, ça va. Croisement Vinewood. Ah, peut-être non, prochaine à gauche à mon avis. Y'a moyen. Ouais. Il tourne à gauche. Attends, mais là je vais me le prendre, je vais arriver trop vite. Collègue! Non, pour le moment tu fais bon boulot mec. C'est dur hein, parce qu'il nous en prend de la vitesse celui-là. Hein. Absolument, mais c'est bien, et puis les routes sont larges forcément. Hein. Il redescend, sur Wick, ok. Pitié qu'il aille à droite. Il est allé à droite, oui. Nickel. On est bien parallèle, je vais prendre de l'avance. Il redescend à la street. Ah putain. Reprends la Laguna, ça devrait aller là. Ouais, là ça va être bien, il va être en face. Ah, il va rentrer dans Rockford à mon avis. Y'a moyen, non, il va... Ok. Il va peut-être faire parking rouge, etc. Genre de. Ouais, ce genre de manœuvre à la con. Et moi, je vais aller dans le parking rouge, tiens. Ah non, il va aller à gauche. Ouh, j'ai vu l'arbre arriver, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux, j'ai vu beaucoup de masturbation. Ça va, en vrai, tu mets frein à main plus coup de frein, celle-là, elle freine fort. Ah. Ok, à droite, Oh, le bâtard! C'est bien joué. Je l'attendais, hein, je voulais le. Je pense qu'il a vu les pimpons. Ouais. Il voit les reflets sur le mur, hein, du coup. C'est possible. En tout cas, tu fais une belle démonstration d'anticipation. Merci, ça me fait plaisir. Ils vont arriver tout droit. Voilà, je vais pas avoir assez de vitesse. Ok, ça c'est bien. Bon, je vais me passer une petite gauche là. Oh la vitesse. Ah oui, non, mais c'est grave. Hein. Ouais, forcément, il va. En fait, là, tu l'as forcé du coup. Ouais, voilà, j'essaie de forcer les trajectoires parce que vraiment par ici, c'est horrible. Hein. Ah, il est allé sur l'autoroute, ok, j'ai vu. On a une sultane occupée au moins deux fois qui était sans phare, sans vitre quand on le croisait. Ça m'a fait un peu peur. Attends, comment je rejoins l'autoroute d'ici? Je vais la rejoindre au musée Little Seoul. Ah ouais, mais peut-être il va aller vers Pillbox. Ouais, il passe à droite là. Ah non, à mon avis, il va aller vers Pillbox. Faut voir quel. Il a pour l'autoroute là. Il a pris à gauche. Ok, c'est bon, je vais prêt à gauche, donc ouais, il va vers le parking. Il faut sortir une loi avec 20 et 69 pour l'opération du capitaine. 71 à 34, est-ce que vous pouvez racoler s'il vous plaît, on va faire le plein. 10-4, attendez 2 secondes, j'arrive. Oh, parfait, entre les pylônes. Ouais, c'est exactement ce que j'ai vu. J'imagine, ouais. Bah oui, non mais, grave.
Vous avez le pylône entre les dents là, non? On est là! Vas-y, racole, on va faire le plein. Bon, ouais, je suis le pylône, là, mon gars. Franchement, si on le voit la main, mais ça risque d'être une mule pour notre course poursuite, je pense. Et je suis 4-0-3, on y va. Comment je vous rattrape? C'est un vol à main armée. Je vais mettre de l'essence. Parce qu'on roule pas. Ça m'a même pas 200 mètres. Ah, il a pas d'essence, tu penses? Oh, 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 le con. Oh, j'étais ébahi. Ouais, voilà, c'était vraiment L'exemplaire, l'exemplaire. Là, c'est une massacro, mais bon, tranquille. C'est la même massacro. C'est la voiture blanche, massacro blanche qui s'est joint au 1056 là pour essayer d'aider la personne. C'est la même arme. On va venir en support. Scan. Tout à l'heure, je prends d'accident et dès que je reprends la poursuite, je me mangeais un bouton. Pfff, la moto là. Je pense que la moto est avec eux aussi. Tu penses? Oh, mais la moto il est suicidaire le mec s'il est avec eux. Ouais, je bloque la voiture de 2 tonnes 5 à 150 km/h avec mon corps. Orlando, tu m'entends? Ouais, tu m'as dit quoi? Fais gaffe à la voiture à gauche. Fais gaffe à gauche. Ah oui, oui, j'ai vu. Ouais. Circulez, monsieur, avec votre massacro. Elle est même pas belle. Mais si elle a, si vous voulez pas qu'on tire un O et qu'on mette un E là. Vous êtes en train de nous avoir intercepté le bus, hein? Vous n'êtes pas devant moi, je vous ai dit, monsieur, j'ai un parbuf. Vous voulez qu'on fasse un massacre? 4. Monsieur, j'ai un parbuf. Je comprends pas, ça fait deux fois que je lui dis là. Oh! Attends, des trucs mal. Là. Pas mal, pas mal. On aurait pu. J'aurais presque du respect pour ça. On aurait pu si on était nul. Oh! Oh là là, cette anticipation incroyable! Droite ou gauche? Droite ou gauche? Prends une décision. Gauche, ok. T'es trop près, ne te fais pas voir de la même manière que l'autre fois, s'il te plaît. T'inquiète. Ah, mais c'est un baiser lui! C'est un baiser, je suis moins mort, arrête-toi! Qu'est-ce que tu roules à 200 là en ville? Tu prends une autre taxi ou quoi? On est pas le bon poté! Attends, je tente une méthode. Ok, tout! Arrête-toi! Enfin! Que veut-on dire à ce chat? Vous feriez un bon pichon, ouais, effectivement. Voilà. Je vais faire 42 aussi. Oh, pas mal. MIT, c'est 50 ans, t'as compris ou pas? Il rigole trop comme ça. MIT. Tu n'iras pas à gauche, mon jeune. Non. Enfin, pas dans la ruelle, quoi. Oh, il m'a pété. Oh, le baiser. Elle est oh, le baiser. Oh, il m'a fait peur. Yeah, avec vos douces fesses, je les vois là doucement assis dans votre siège en cuir de sultane. Vais vous abonner doucement sur le bas côté. Je sens qu'il y a beaucoup de transpiration. Je sens quand même le monstre du Loch Ness qui est en train qu'il hyperventile des fois. Parce que t'entends un nombre de fois, il respire. Je pense vraiment qu'il hyperventile. Arrêtez-vous, si vous vous arrêtez pas, je vais vous avoir. Vous allez voir. Il a une bouteille d'oxygène ce mec à côté de lui. Là, moi je fais trop du contresens. Oh non, pas la même encore. Non, ça passera pas ça. Tu vas te prendre la même, je pense. Je vais te dire s'il rentre dans le tunnel. 10-4, il rentre pas. À 10-22, il rentre pas. Par contre, il retourne dans les canaux, il sort pas côté Rancho, il fait demi-tour. Là, je vous vois. Je bloque l'entrée du tunnel là. 10-4, il va arriver au niveau de l'entrée des rails là. Là, je le vois. Ça va bloquer au niveau des rails, je pense. Ouais, c'est possible. Bloquer ici, c'est con, il faut bloquer de l'autre côté. Ouais. 71, on vous a recollé. Ça n'a pas bloqué 10-5. Ça va sortir au niveau usine El Bourreau. Peut-être à droite là, attention le plan 1000 là. Ouais, plan 1000 ici, c'est con hein. Quand cette poursuite a commencé, mes enfants étaient en primaire maintenant, ils viennent de sortir d'université. Je suis fier d'eux. Ils ont pris le maire, mais il y a déjà un nouveau maire, ça a été voté. C'est lui qui donne la poursuite. La poursuite, elle a commencé lorsque la ville a fini d'être construite en 2013. C'est quand même inadmissible. Arrêtez de bien conduire la bande de connards! On s'arrête! Arrêtez les garçons! Et où est-ce qu'ils ont appris à conduire comme ça? Ils ont même pas le permis de conduire! Oh non, tu t'es fait baiser deux fois de la même manière! Mais non, regarde! On fait pas de la peine! Je suis toujours là! Ah! Ça c'est con ça! C'est vrai que cette voiture va tellement vite que je les colle trop en fait! Mais oui, tu les colles trop! Sinon, tout est parfait, juste tu es trop près, du coup tu peux pas prendre anticipé! Quand ils font des gauche-droite, toi il faut que tu restes droit en fait! Parce qu'il attend que ça en fait que vraiment, tu déstabilises. En fait, elle a une axelle. Wow. Celle-là, elle va vraiment.
Elle accélère comme si elle avait 4 roues motrices, quoi, c'est un peu le problème. Le véhicule fume demain. Bah, tu es sûr? Ouais, certain. Ouais, 10-4. Ah non, mais il faut qu'il s'enfuit, on va faire de la paperasse, ça va pas. Ah, ça fait chier, ouais. Ah, tu sais que parfois je le pense premier degré. Je me dis putain, le DA qui m'attend, puis l'interrogatoire, puis le. La comparution immédiate, qu'est-ce que ça bande. Pitié, échappe-toi, rechange de voiture, fais-moi une mule, fais tout ce que tu veux. Mais arrêtez-vous, bande de merde. Ah ouais, oh là, mais qu'est-ce qu'il vous fait là? Il veut pas aller dans le poursuite. Qu'est-ce que tu as tenté là? Allez, on s'arrête. Bon, on en a ras le cul là. Allô, il faut que tu nous aides, notre voiture est en train de fumer. Il en est où le plan mule? Soit on s'arrête, soit on fuit vraiment quoi. Bon, parce que la paperasse ça commence à bander. Oh, ça rentre dans les déchetteries, attention, soit au shot fire, soit au plan. Là, ici, ça peut se bloquer, ça peut nous tirer dessus. Hein. Massacre au blanc derrière le. Yaf, yaf. Ah, ils vont oula, se faire oula, récupérer, oula, oula, oula. Oh, ça pue. Ouais, ils sont à pied, ils sont en train de courir. Hein. À pied. Aïe. Ils vont aller de l'autre côté. Ouais, ils ont certainement une voiture qui les récupère. Vous avez la voiture qui va les récupérer ou pas? Ça. J'ai une Felon rouge devant moi là qui essaye de. Raiden noir également. On se rapproche. La massacre blanche se rapproche. Attention, ouais, hein, il y a un petit grillage où ils peuvent sauter. Hein. Là, ils sont là, ils sont là. Devant toi. Oui, bleu, lui, faut le prendre, lui. On s'arrête, monsieur. Il est au volant. Tu me le poursuis? Ouais. Vas-y. On s'arrête maintenant, stop! Allez, on s'arrête. Derrière, au niveau de la casse à l'entrée. La massacre. Allez, quadrillez la zone, s'il vous plaît, quadrillez la zone. Nous, on est à pied derrière, mec. Adam 91-19 sur la backup, s'il faut. Oh là là! On en a un, nickel. Ok, on en a interpellé un, du coup, c'est good. Mais fais courir au moins 40 mètres, là. Attention à la flamme rouge qui tourne, hein. Pour la fenêtre. Je suis derrière. J'ai reçu, est-ce que vous pouvez m'appeler TPH 2475, s'il vous plaît? Vous avez une pièce d'identité ou quoi que ce soit, monsieur là? Attention. Est-ce que vous avez vu d'autres individus? Pour les shotfire, hein. Est-ce que vous avez vu d'autres individus sortir de la déchetterie? S'il vous plaît, je veux une unité qui va dans la déchetterie là, me quadriller la zone. 10-22 pour les shotfire. 10-4. Ok, vous avez juste été payé. Ok. 10-5, Adam 100, on est actuellement derrière la pylône rouge avec la dame 97. 10-4, ils ont récupéré des individus ou pas? Mais l'homme est masqué dans la voiture. S'il vous plaît, une unité à la déchetterie. On a besoin de quatre sur le dos. Ok, on arrive aussi. On est 57 de la massacre blanche, accompagné du PC sur le pont. C'était juste la mule, lui. Ouais, c'était le. C'était juste fait payer pour la mule. Il a les poches pleines de cash. J'ai senti un gros bulge à un moment donné. J'ai cru qu'il était content de me voir, mais je crois que c'est des billets. Après, ça, c'est mes billets. Bordel. Putain, quand il y a des opérations comme ça, j'ai l'impression qu'on est deux radios. Alors par contre, pour raconter sa grosse vie quand il fait une supérette, il y a du porte, monde. Monsieur. Et ça marche. C'est quoi votre nom, monsieur? Moi, c'est Alex. Alex comment? Martinez. Eh, mais attends, ça me dit un truc, ça, Alex Martinez. Ah bon? Oh oui, ça me dit plus qu'un truc. Comment ça? Ouh, on verra ça à l'interrogatoire, mon jeune. On verra ça à l'interrogatoire, mon pote. Ah. Et ben putain, qui sont cons ceux-là. Alors là, je vous le dis. Du coup, on leur tient quoi? Refus d'obtempérer et. Bah, lui, ouais, refus d'obtempérer seulement. Hein. Ouais. On a vu donc 3 individus descendre dans la déchetterie. On en a interpellé un, il en reste 2. Il y a un bâtiment qui est accessible hein, dans la déchetterie. Vraiment, retournez-moi la déchetterie si possible. 55-16 pour déposer. Allez. Adam 34, du coup, 10-21. Il y a une Felon et une Raiden. 22. Ah, il y avait une Raiden noire en plus, putain. Alors, bon courage pour attraper ça. Putain. Les astres se croisent. Tango 03. Oui, Alex Martinez, hein, tu le sais arriver. D'accord. Tu connais toutes les plaques par cœur, mon jeune. Ah non. Ah, je te le dis. Non, moi je te dis, moi j'ai juste été payé, on m'a dit vas-y, viens me faire un plan mule, tu prends la. Oui, mais tu connais des la gens. La voiture et je voilà. Je sais que tu connais des gens. 03, est-ce que vous avez besoin de. Moi ça, je connais des gens. Oh, t'en connais. Si on en avait besoin. On a la complicité de 7 kidnappings, techniquement. Ah, j'ai rien participé du tout. Ah,
Après, c'est vrai que sur le papier, on n'a pas vraiment de preuves que vous avez participé à ce qui s'est passé à la mairie. Je sais même pas de ce qui s'est passé, je te dis, j'ai juste reçu un truc, à telle heure, faut faire un plan mule. Et j'ai attendu, quoi, simplement. J'avais une heure précise pour un plan mule, voilà. Et ben la poursuite, elle a commencé en 2013, hein, par contre, hein. Alors, pourtant, j'ai fumé alors que j'ai rien tapé. Les gars, je reviens après 2 semaines de poursuite. Ça fait plaisir d'être avec vous. J'avais pas de moustache quand j'ai commencé la poursuite. La barbe, elle a poussé, là. Ce qui nous est arrivé entre temps, on a dit bonsoir à un mec, il est parti en courant un pied, on l'a suivi.